bon matin, bonjour. On vous invite, s'il vous plaît, à prendre place dès maintenant. Madame Jobin fera l'ouverture officielle de ce forum. J'invite les gens qui sont à l'arrière, s'il vous plaît, à venir nous rejoindre. Il y a beaucoup de place également à l'avant. Merci tout le monde. Bon début de journée. Alors, Monsieur Barrette, ministre de la Santé et des Services sociaux, Madame Charbonneau, ministre responsable des aînés et de la lutte contre l'intimidation, Mesdames les présidentes directrices générales des établissements, Messieurs les présidents directeurs généraux des établissements du réseau de la santé et des services sociaux, bonjour. Mesdames, Messieurs dans l'assistance, bonjour également. Je me présente, je suis Lynn Jobin, sous-ministre adjointe aux services sociaux du ministère de la Santé et des Services sociaux. Je vous remercie très sincèrement pour votre présence à notre troisième forum qui portera cette fois-ci sur les meilleures pratiques liées à la participation des usagers, les meilleures pratiques cliniques et organisationnelles en CHSLD et en soutien à domicile. Je vous remercie en mon nom personnel et au nom du sous-ministre du ministère, M. Michel Fontaine, et de tous mes collègues sous-ministres adjoints et sous-ministres associés qui participent également avec nous à cet événement. Nous nous sommes réunis déjà à deux reprises, soit en novembre 2016 pour partager les meilleures pratiques en CHSLD et en mai 2017 pour renforcer nos connaissances sur les pratiques les plus probantes en soutien à domicile. Ces rencontres fort inspirantes nous ont fait connaître des initiatives qui permettent d'améliorer de façon fort considérable les soins et les services offerts à la population. Au sortir de ces rencontres, les PDG des établissements du réseau de la santé et des services sociaux ont pris des engagements au regard de l'implantation de ces bonnes pratiques sur chacun de leurs territoires. Nous aurons certainement l'occasion d'en reparler aujourd'hui et demain. Au cours des deux prochaines journées, donc, nous allons entendre à nouveau des intervenants, des professionnels et des chercheurs qui ont des connaissances approfondies et des expériences concrètes très significatives à partager. Nous allons également entendre des usagers par le biais des comités des usagers et de résidents qui sont, rappelons-le, au cœur de cette grande démarche d'amélioration des soins et des services. La finalité de la démarche, justement, entreprise à l'automne 2016, est de dispenser des soins et des services accessibles et de qualité qui répondent aux besoins des usagers. Ces services s'appuient sur des équipes fortes d'intervenants de diverses disciplines et de gestionnaires engagés. D'ailleurs, la présence des représentants des établissements du réseau de la santé des services sociaux et de leurs partenaires aujourd'hui témoigne de cet engagement. Plusieurs de leurs collaborateurs et collaboratrices se joindront également à nous par la webdiffusion. Le forum porte donc sur trois grands blocs. D'abord, la participation des usagers à l'amélioration des soins et des services, qui était un engagement du ministre M. Barrette, les pratiques cliniques et organisationnelles en CHSLD et en soutien à domicile. Chaque bloc comprend différentes thématiques pour un total de 20 présentations au cours de notre journée et demie de forum. Nous avons un programme très riche, chargé en même temps, donc on aura besoin d'une discipline pour garder notre temps et se permettre des échanges constructifs avec la salle. Les conférenciers et conférencières en provenance des établissements ou d'organismes partenaires mettront en valeur les meilleures pratiques déployées sur le terrain. Après les présentations, des panélistes experts auront l'opportunité de réagir aux différentes initiatives et faire des liens avec les connaissances scientifiques les plus récentes. Donc, vraiment, les présentations sont faites par des collègues des établissements et leurs partenaires, et le panel est composé de personnes du milieu plus scientifique universitaire qui vont interagir, poser des questions, commenter. Cet avant-midi, absolument. Donc, par la suite, une fois que les panélistes auront commenté, auront réagi, il y a une bonne période d'échange qui est prévue avec les PDG et avec les participants de la salle. Un échange de 20-30 minutes selon les différents blocs. Cet avant-midi, donc, les sujets présentés porteront sur les meilleures pratiques réalisées avec la collaboration des usagers et des comités des résidents des établissements du réseau de la santé et des services sociaux. L'après-midi sera consacré à l'amélioration continue en CHSLD.
Nous entendrons plusieurs conférences sur les différentes pratiques cliniques à valoriser, sur les équipes soignantes à proximité des résidents et sur la participation des communautés pour le mieux-être des résidents. Demain, ce sont les pratiques en soutien à domicile qui seront au menu. Avant d'aller plus loin, je tiens à remercier tous nos conférenciers et panélistes qui se sont montrés très collaboratifs et généreux avec nous pour la préparation de cet événement. Maintenant, pour débuter, le ministre de la Santé et des Services sociaux, M. Gaétan Barrette, s'adressera à vous. Il sera suivi de Mme Francine Charbonneau, ministre responsable des aînés et de la lutte contre l'intimidation. Bon forum à vous qui êtes ici, en présence, ainsi qu'à toutes les personnes qui nous suivront sur le web. Monsieur Barrette, je vous laisse la parole. Alors, bonjour tout le monde. Excusez-moi, je viens de consommer une minute de votre temps précieux. Mais je suis très content d'être ici aujourd'hui, puis vous me permettrez d'abord de vous saluer, vous tous et toutes qui participez évidemment à ce forum, à cette troisième édition de nos forums sur les meilleures pratiques en CHSLD et en maintien à domicile. Saluer évidemment tous ceux qui nous suivent en web diffusion. Ça l'était la dernière fois, ça l'est encore aujourd'hui, puis je pense que c'est une bonne initiative de le faire comme ça. Salutations particulières à ma collègue, évidemment, Francine. Nous avons à cœur, pas simplement nous deux, mais dans notre gouvernement, nous travaillons ensemble parce qu'il y a plusieurs éléments qui peuvent améliorer les conditions de vie de nos gens, pas juste les aînés, tant à domicile qu'en CHSLD, et évidemment, tous les collègues PDG du réseau. Alors, je vous remercie parce que, je l'avais dit la dernière fois, quand on a fait notre premier forum, c'est la première fois que le gouvernement fait un événement comme celui-là, un forum sur les meilleures pratiques qui a comme objectif, évidemment, et vous l'avez compris, vous l'avez vécu, d'améliorer la situation de nos aînés en CHSLD, évidemment, mais de tous ceux et celles qui reçoivent des soins à domicile qui ne sont pas nécessairement des aînés. Il y a beaucoup d'autres gens qui reçoivent des soins à domicile, des services à domicile, compte tenu de leurs conditions cliniques. Et quand on regarde, évidemment, le chemin parcouru, je pense que ça vaut la peine de le souligner, il y a beaucoup de choses qui se disent sur la place publique, mais qui ne correspondent pas nécessairement à la réalité. Premièrement, sans faire de politique, l'objectif n'est pas là, mais on s'était engagé à investir dans ce secteur des sommes additionnelles de 150 millions de dollars par année, et on le fait. Non seulement on le fait, mais on a dépensé ce que nous avions annoncé, puis je pense que ça vaut la peine de le souligner, parce que ce 150 millions de dollars-là par année qu'on a excédé se traduit obligatoirement en service à la population. Maintenant, des investissements qui doivent se traduire en service à la population, bien encore faut-il que ça se fasse selon ce qu'on connaît comme étant de meilleures pratiques. Et les meilleures pratiques, évidemment, sont celles qui sont expérimentées par, et je ne dis pas expérimentées au sens de l'expérience empirique du terme, mais bien de l'expérience sur le terrain de gens qui ont la compétence, mais surtout des gens qui reçoivent les services. Et quand on regarde ce que l'on a fait dans ce mandat, et particulièrement lors des deux derniers forums, bien, on a voulu établir une nouvelle culture, une culture de l'excellence qui provient de vos expériences, et faire en sorte qu'on prenne les bonnes décisions pour, de façon permanente, faire face aux défis qui sont devant nous. Et quand je dis « aux défis », on comprendra que je le dis au pluriel. Alors, il n'y a pas simplement, quoique c'est très important, le défi de la population qui vieillit, du vieillissement de la population, mais il y a aussi des défis auxquels on s'est adressé peut-être imparfaitement dans le passé, qui est celui de toutes les autres personnes qui ont des problèmes de santé chroniques, qui sont à la domicile et qui doivent recevoir des services. Alors, tout ça ensemble, bien, ça fait en sorte qu'on a fait les forums, on a investi et on va continuer.
Quand on regarde les forums, est-ce que ça a donné quelque chose? Oui, quand on a fait les pratiques, les meilleures pratiques en CHSLD, bien, ça a, on a conclu qu'il fallait avoir plus de personnel. Vous vous rappelez les investissements que nous avons faits, l'embauche de 1300 personnels de différentes catégories, c'est en train de se terminer. On est presque rendu à destination. Pour les 1300, vous comprenez la difficulté de recrutement que le Québec vit aujourd'hui. Mais les gens viennent quand même pratiquer parce que, sachant que les choses s'améliorent dans ce réseau-là, ça devient plus attractif. Alors, nous avions annoncé un certain nombre d'investissements pour le maintien à domicile. Là aussi, la transformation est en train de se faire. Mais s'il y a une chose dont je suis le plus fier, c'est que j'avais aussi dit que nous allions nous assurer d'entendre les usagers et que ce forum-ci allait commencer par la voix des usagers. Ça, je suis bien heureux de ça parce que je pense que si on développe des meilleures pratiques pour donner de meilleurs services à ceux qui sont dans le besoin, qui sont les personnes, quelles sont les organisations les mieux placées pour nous dire si on fait bien les choses? Bien, les usagers et les organisations qui les représentent. Et c'est la raison première pour laquelle, aujourd'hui, ce forum commence par un bloc d'intervention qui va parler des usagers en premier. Pour moi, c'est très important, le feedback. Vous savez, dans la réforme que l'on met en place, il y a une emphase qui a été mise sur la participation des usagers, différents comités, notamment, évidemment, les QC que vous connaissez bien, mais aussi la capacité pour nous, par différentes organisations nationales, d'entendre la voix des usagers. Alors, il m'apparaissait non seulement opportun, mais certainement nécessaire de commencer par ce forum-là, par entendre la voix des usagers, de façon à ce qu'on puisse ensemble, par votre rétroaction, participer de l'amélioration de notre système de santé et de services sociaux, en vous écoutant, en confrontant vos idées à ce que l'on pense être de meilleures pratiques. Je pense que le point de jonction de nos démarches respectives sera une amélioration, évidemment, des services qu'on donne à la population. Alors, aujourd'hui, pour moi, ça va être, et demain, évidemment, ça va être un excellent forum. Je suis convaincu que, comme pour la dernière fois, ça va nous amener à de nouvelles avancées, certainement de nouvelles prises de position. Et pour qui? Pour le bénéfice de la population qui est la plus vulnérable, évidemment, au Québec. Et ça sera grâce à votre participation de toutes et tous, que vous soyez PDG dans le réseau ou que vous soyez des usagers qui recevez des services. C'est évidemment ensemble qu'on va réussir à améliorer notre système. On en a fait des avancées. Nous avons fait des pas en avant. Ils ne sont pas toujours reconnus, mais ils sont bien réels. Et j'ai bien entendu déjà, en serrant la main à quelques-uns et quelques-unes d'entre vous, que vous avez des choses à dire, on va les entendre, mais que clairement les choses ont avancé pendant les 4 dernières années et certainement pendant les 2 dernières années, et on va continuer à aller de l'avant. Alors, bon forum. Merci à vous toutes et tous de participer à ce forum. Encore une fois, ensemble, on va faire avancer les choses. C'est pour une société meilleure. Merci. Bon forum. Bonjour. J'ai l'impression d'avoir pris du poids. La planche a craqué quand je suis passée. C'est impressionnant. Monsieur Barrette, c'est un plaisir de me retrouver, j'ose dire encore une fois, Gaétan, en forum avec toi. Monsieur Fontaine, Monsieur Barrette, en arrière de Monsieur Barrette, puisque mon sous-ministre adjoint s'appelle aussi Monsieur Barrette. Ça mélange les gens quand je dis « je suis venue avec M. Barrette » puis il cherche partout, mais Christian commence à se faire reconnaître de plus en plus dans les organisations. J'aimerais saluer tout particulièrement les PDG d'avoir pris le temps d'être encore là. C'est notre troisième rendez-vous et vous y êtes à chaque fois. J'aimerais aussi saluer ma présidente de table de concertation, Mme Bolduc-Dubois, qui est avec nous aujourd'hui, qui a pris le temps de vous entendre et de partager. Je le disais d'entrée de jeu, c'est un bonheur de me retrouver pour la troisième fois. Je me souviens d'avoir été ici en 2016, en 2017, et c'est notre rendez-vous, 2018. C'est toujours impressionnant de voir les gens prendre le temps
Puis je baisse mes yeux vers vous parce qu'à chaque fois, vous m'impressionnez de prendre ce temps d'être à l'écoute des demandes, des constats et des réalisations qui ont été faites à travers le Québec, à travers votre monde, mais à travers aussi des partenariats des gens qui sont ici dans la salle. J'ai oublié, mais je salue les gens qui nous écoutent à distance. Merci d'être au rendez-vous aussi. C'est toujours émouvant pour moi de pouvoir participer à ces rencontres puisque, vous savez, la santé, tout le département, tous les services, tout ce qui touche les aînés de près ou de loin pour la santé découle du ministère de mon collègue. Mais on a plaisir à échanger et à regarder ensemble comment on peut faire mieux, comment on peut faire plus. Et à chaque fois qu'on en discute, il y a des aspects de ce travail-là qui revient constamment, c'est-à-dire vous, les gens qui donnaient rendez-vous au service de la santé et qui avaient des demandes très justes et des réalités à vivre. Et il y a toujours vous qui êtes au rendez-vous, qui donnez des services et qui nous rappelez quelquefois que ce n'est pas assez et qu'on devrait faire plus. Mais on a un défi ensemble, faire valoir. Faire valoir le travail que vous faites, faire reconnaître le travail que vous faites, prendre les décisions qui font en sorte que ce travail, non seulement est reconnu, mais est apprécié. Nous avons des choses en commun, puisque le gouvernement prend des décisions qui, quelquefois, tardent à faire des démonstrations, et nous avons à faire la preuve avec vous que le travail que vous faites est celui qui représente un instant important dans le quotidien de la personne qui reçoit la prestation de service. Au niveau du ministère, on a pris plusieurs décisions pour les aînés du Québec et de ce fait, nous avons mis en place un comité interministériel qui va avoir des échanges sur plusieurs niveaux des services qu'on veut avoir, mais qui va aussi s'étendre un petit peu plus longtemps sur le principe des proches aidants. Ce n'est pas quelque chose qui sort des nouvelles de la semaine passée, c'est vraiment quelque chose qu'on travaille depuis plusieurs années pour faire en sorte qu'on puisse les reconnaître, les identifier, pour qu'ils puissent se reconnaître, s'identifier et trouver l'appui suffisamment important pour aller chercher de l'aide, le nommer, le qualifier et pour qu'on puisse les accompagner. Et pour ça, vous avez compris qu'on a besoin de tout le monde, organisation comme l'ensemble des systèmes, puisque les proches aidants sont des gens qui, dans le quotidien, se reconnaissent sous des termes différents. Mère, femme, conjoint, mari, sœur, voisine. Donc, on a un travail important à faire. Bientôt, j'aurai le plaisir de vous parler d'un plan d'action qui sera déposé, qui découle d'une volonté que le gouvernement avait mis en place, c'est-à-dire le programme qui s'appelle VVE, Vivre et vieillir chez soi dans sa communauté. On a la version numéro 2 qui va sortir bientôt, qui va probablement avoir le nom Un Québec pour tous les âges, parce que le Québec de demain, c'est un Québec qui aura tous les âges. Et je vous le dis un peu avec un sourire, puisque j'en suis. D'ici quelques temps, sinon à partir d'aujourd'hui, je suis reconnue comme un aîné pour plusieurs organisations. Ça nous fait toujours un peu drôle, puisque quand je cligne des yeux, j'ai encore à peu près 35 ans. Mais mon permis de conduire, il ne dit pas la même chose. Donc, on aura à s'ajuster à cette nouvelle population, à ce Québec qui va prendre sa place, qui devra continuer à être le Québec que vous avez mis en place, c'est-à-dire des gens en santé, qui sont mobiles, qui sont participatifs, mais qui sont aussi à la retraite et qui font des gestes au quotidien pour améliorer la qualité de vie des gens, donc nos bénévoles d'aujourd'hui et de demain. Une rencontre comme aujourd'hui ne peut faire autrement qu'améliorer la qualité de vie des Québécoises et des Québécois. Vous êtes au rendez-vous à chaque fois. La pression est forte. Puis là, je vais me permettre de baisser mes yeux un peu puis dire « la pression est forte ». Vous avez un rôle exigeant. On a à reconnaître les gens qui posent les gens, qui posent les gestes, mais on a aussi à reconnaître les gens qui ont le bâton de pèlerin pour faire en sorte que ça fonctionne. Quel que soit le gouvernement en poste, quelles que soient les promesses qu'on vous fera, sachez que vous êtes les premiers déterminants du service que les aînés du Québec reçoivent. Pour les services que vous donnez, pour le travail qu'on essaie de faire ensemble,
mais surtout pour la complicité du quotidien. Merci, bon forum et au plaisir de vous rencontrer. Alors, merci beaucoup, M. Barrette. Merci, Mme Charbonneau. On est parti pour notre journée et demie de forum. Je ne sais pas si vous avez remarqué, à l'écran, on faisait rouler, si vous me permettez l'expression, les groupes qui sont présents aujourd'hui, en présence déjà. Là, il y a quelques 450 personnes qui sont inscrites au forum et une centaine d'organisations qui sont représentées. Donc, vraiment, deux journées très, très importantes pour ce partage de bonnes pratiques et pour la poursuite du déploiement par la suite. Donc, pour le premier bloc sur les comités des usagers et les comités de résidents, mon collègue du ministère, M. Luc Castonguay, sous-ministre adjoint de la planification, de l'évaluation et de la qualité, prendra la parole sur la place des usagers dans l'amélioration de la qualité des soins et des services. Ensuite, Mme Karina Lehoux, il me fait plaisir de vous présenter notre animatrice. Cette dernière animera les discussions avec les participants du forum tout au long de la journée et demie de forum. Mme Lehoux est entrepreneure et animatrice professionnelle. Elle a également été conseillère en communication chez Développement international des Jardins. Nous la remercions sincèrement d'avoir accepté cette collaboration, un rôle important dans un agenda comme celui que nous avons. Merci beaucoup, Mme Lehoux. Merci de votre discipline éventuellement. Quant à moi, je reviendrai après chacun des blocs d'intervention pour clore le bloc et introduire le suivant. Donc, je vous souhaite profondément un beau forum. Merci beaucoup encore d'être là. Je laisse la parole à mon collègue Luc Castonguay. Merci beaucoup, Lynn. Monsieur le ministre, Madame la ministre, Mesdames et messieurs, PDG, PDGA et autres personnels du réseau, mais surtout, messieurs, mesdames, représentants des comités d'usagers, bonjour. C'est un grand honneur pour moi de prendre la parole aujourd'hui devant une audience formée, non seulement des professionnels et des directeurs œuvrant dans le réseau, mais également des personnes qui motivent le travail que nous accomplissons chaque jour, les usagers. L'implication des usagers dans les soins et services de santé ne date pas d'hier. Déjà, en 1982, les comités de bénéficiaires avaient notamment pour fonction la défense des intérêts des bénéficiaires. Le mandat et les fonctions des comités des usagers et de résidents, tels que nous les connaissons aujourd'hui, ont été prévus par la loi sur les services de santé et les services sociaux, et ce, dès 1992. Ce mandat des comités des usagers et des résidents, on le sait, c'est en résumé d'être le gardien des droits des usagers. Ces comités doivent veiller à ce que les usagers soient traités dans le respect de leurs droits et libertés, en les renseignant sur ces droits et en promouvant l'amélioration des conditions de vie des personnes qui reçoivent des services ou qui sont hébergées. En tant que porte-parole des usagers auprès de l'établissement, il démontre une préoccupation particulière envers les clientèles les plus vulnérables et collabore à l'amélioration de la qualité et des services, notamment en participant à documenter la satisfaction de la clientèle. Plusieurs initiatives ont été mises en place au cours des dernières années dans le but de donner une voix plus forte aux usagers. Ces initiatives se sont matérialisées par des modifications législatives, des investissements, mais également par des engagements à renforcer l'importance du rôle et de la présence des comités d'usagers dans le cadre de l'amélioration de la qualité des services. En voici quelques-unes. Certes, la loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, notamment par l'abolition des agences régionales, a entraîné le regroupement de nombreux établissements. Ces regroupements n'ont toutefois pas entraîné le regroupement des comités d'usagers déjà institués dans les établissements visés, et ceux-ci continuent d'exercer leurs responsabilités au sein des installations pour lesquelles ils œuvraient. Afin d'assurer la voix des usagers au sein même de la gouvernance des nouveaux centres intégrés de santé et de services sociaux,
cette loi a prévu la mise sur pied des comités des usagers des centres intégrés au sein des établissements. Dans le cadre du premier forum sur les meilleures pratiques en centre d'hébergement et de soins de longue durée, tenu les 17 et 18 novembre 2016, le ministre a pris plusieurs engagements, dont celui de tenir une rencontre annuelle avec les représentants provinciaux des comités d'usagers et avec les présidents des comités d'usagers des établissements sur l'amélioration des soins et services. Voilà le fil conducteur qui nous réunit aujourd'hui. De même, les PDG des établissements publics et privés conventionnés ont pris, lors de ce forum, l'engagement de considérer les comités d'usagers et de résidents comme de réels partenaires dans l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins et services. Dans ce contexte, il devenait nécessaire de mettre à jour le cadre de référence sur l'exercice des fonctions à assumer par les membres des comités des usagers et des comités de résidents. Plusieurs consultations ont été tenues préalablement à sa diffusion et nous tenons à vous remercier et à remercier toutes les personnes qui ont contribué, plus particulièrement les comités de résidents, les comités d'usagers des centres intégrés, les comités des usagers, les comités de résidents et leurs membres, ainsi que les organismes provinciaux qui les représentent. Le nouveau cadre présente les rôles et les responsabilités de ces comités et les moyens dont ils disposent pour s'en acquitter. Il vient également préciser les fonctions particulières des comités des centres intégrés, que sont la représentation des comités d'usagers et des comités de résidents, la coordination des actions et l'harmonisation des pratiques. Ce cadre de référence vise à situer les différents acteurs et organismes du réseau par rapport au fonctionnement des comités d'usagers et de résidents. Il aborde les principes directeurs que sous-tendent l'action des comités, leurs fonctions légales, les autres responsabilités de ces derniers, l'administration des budgets qui leur sont confiés et la reddition de comptes qui est associée. Il présente les rôles, les responsabilités aussi des comités intégrés, ainsi que le financement de celui-ci. Parmi les leviers qui permettent aux comités des usagers de se faire entendre, il y a dorénavant la possibilité pour les comités des centres intégrés de soumettre au conseil d'administration de l'établissement, à même sa reddition de compte annuelle, une liste des enjeux prioritaires ainsi que ses recommandations sur l'amélioration de la qualité. Cela représente un outil concret lui permettant de jouer son rôle dans l'amélioration continue de la qualité des services de l'établissement et de ses installations. Le conseil d'administration doit fournir une réponse formelle et publique à ses recommandations et en assurer le suivi. Le ministère est confiant que cet outil viendra appuyer les comités dans leur capacité à sensibiliser les autorités et à proposer des solutions qui respectent les principes directeurs qui encadrent l'action des comités d'usagers, soit l'intérêt des usagers, la représentativité de tous les usagers, de l'établissement sans aucune discrimination, le respect et la collaboration, l'autonomie qu'exerce le comité d'usagers à l'intérieur de l'établissement dans le cadre des fonctions qui lui sont confiées par la loi, l'imputabilité des membres des comités à l'égard de leurs actions auprès des usagers qu'ils représentent, le respect et la confidentialité et le partenariat avec l'établissement. Le ministère a d'ailleurs fait du partenariat avec les usagers et leurs proches l'un des principes structurants de son plan stratégique 2015-2020. Il reconnaît ainsi que les usagers sont davantage en mesure que les intervenants de comprendre les réalités liées à leurs propres conditions, les impacts de leur maladie, de leur situation psychosociale et des traitements sur leur vie. Ils sont également bien placés pour savoir de quelle façon les services pourraient être mieux conçus pour les aider. L'approche de partenariat avec l'usager et ses proches réfère d'abord à la relation qui s'établit entre ces derniers et les divers acteurs du système de santé et de services sociaux. Cette relation doit permettre le développement d'un lien de confiance et traduire la reconnaissance de la valeur de la participation effective des usagers et de leurs proches. La mise en commun des savoirs amène les partenaires à développer une compréhension partagée d'une situation ou d'une problématique qui leur permet par la suite de définir ensemble des actions à mettre en œuvre pour répondre adéquatement aux besoins des usagers et de leurs proches.
L'approche de partenariat peut se vivre en contexte de soins et de services, ainsi qu'en contexte d'organisation de soins et de services et de gouvernance. Les comités d'usagers peuvent jouer un rôle important dans l'établissement en partenariat. En effet, les usagers et les comités d'usagers contribuent tous les deux à l'amélioration de la qualité des soins et des services à partir de perspectives qui se complètent. Pour les usagers individuellement, elles reposent sur un savoir expérientiel en lien spécifique avec sa maladie ou une situation psychosociale. Pour les comités d'usagers et les comités de résidents, cette perspective est liée à l'exercice de leurs fonctions au regard de la protection et de la défense des droits, de la promotion et de l'amélioration des conditions de vie et de l'évaluation de la satisfaction des usagers. À titre de représentants des usagers et de par leurs fonctions, les comités d'usagers et les comités de résidents constituent ainsi des interlocuteurs de premier niveau au sein des établissements. Leur connaissance de l'organisation ainsi que la qualité de leurs relations développées à la fois avec les usagers, leurs proches et les différents acteurs de l'établissement, les positionnent comme un partenaire privilégié en contexte de gouvernance et d'organisation de soins de service. Il faut donc multiplier et aménager ces espaces de collaboration et de partenariat entre les différents acteurs et les intervenants du réseau avec les usagers et leurs représentants. Il apparaît aussi important de souligner les bonnes pratiques et de les diffuser, tout comme nous le faisons aujourd'hui. En ce sens, les prix d'excellence du réseau de la santé et des services sociaux constituent un événement majeur qui se tient sur une base annuelle. Il s'agit d'une occasion unique de mettre en lumière les collaborations et l'engagement exceptionnel des acteurs du réseau et du milieu communautaire. Pour l'édition 2018, une catégorie portant sur le partenariat entre les comités des usagers et les comités de résidents et leur établissement a été mise en place. Donc, un prix d'excellence et une mention d'honneur seront décernés aux comités d'usagers intégrés, comités d'usagers, comités de résidents, en partenariat avec un établissement qui auront su instaurer des bonnes pratiques collaboratives et de partenariat en matière d'amélioration de la qualité des soins et des services. Les projets doivent donc démontrer l'engagement du comité au sein de l'établissement, son apport novateur, ses meilleures pratiques ou ses résultats particuliers, tout en répondant à certains besoins ciblés pour les usagers. Nous connaîtrons les premiers lauréats le 31 mai prochain et je vous invite à soumettre vos bons coups dans le cadre des prochaines éditions, puisque c'est en célébrant les meilleures pratiques que nous arriverons à améliorer les services de santé et les services sociaux, ainsi que l'expérience des usagers. Les dispositions législatives en vigueur, les orientations, les actions ministérielles place donc un ensemble d'outils et de moyens qui visent à mettre au profit le point de vue des usagers dans l'amélioration de la qualité des soins et des services. En complémentarité du travail des comités d'usagers et des comités de résidents, il faut souligner l'existence du régime d'examen des plaintes qui introduit un processus formel pour capter les situations où les usagers considèrent que les services rendus n'ont pas été à la hauteur de leurs attentes ou n'ont pas respecté leurs droits. Alors, comité d'usagers et de résidents, commissaires à la qualité et aux plaintes et organismes d'aide et d'accompagnement aux plaintes font partie de ces moyens privilégiés qui permettent aux usagers d'influencer les services qu'ils reçoivent. Au cours des dernières années, le ministère et le réseau se sont donc associés aux usagers pour améliorer la qualité des services. Ces partenariats ont pris différentes formes et évolueront au cours des prochaines années pour mieux répondre aux besoins de la population. Les intervenants qui vont suivre vont nous parler de leur expérience concrète et de ce qui est possible de réaliser lorsque l'on travaille non seulement pour, mais avec les usagers. Cela devrait nous inspirer pour aller encore plus loin dans nos collaborations et dans nos partenariats. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Castonguet, mesdames et messieurs, Monsieur le ministre, bienvenue, bon matin. C'est un plaisir pour moi de me joindre à vous, privilégié aussi d'avoir le plaisir de contribuer à ce forum qui est l'occasion de mettre en lumière des cas concrets de succès sur le terrain.
Avec la présence aujourd'hui des leaders du réseau de la santé et des services sociaux, avec la présence, ça a été bien mentionné par Mme Jobin d'entrée de jeu, de chacun d'entre vous qui représentait tant d'acteurs importants, vous êtes connectés sur le terrain avec les différentes clientèles. Je suis assez convaincue qu'on a une journée et demie qui sera très profitable, très riche d'échanges. Alors, je vous dis à l'avance, merci beaucoup de vos contributions. Et j'aurais envie de dire merci de votre écoute aussi. Monsieur Castonguet, vous avez mentionné l'importance de développer une compréhension partagée, souvent à l'écoute de ces belles histoires qu'on va nous raconter aujourd'hui et demain. Je pense que ça peut faire avancer énormément les travaux et les réflexions de chacun. Alors, merci. Je vous souhaite un bon forum pour ma part également. Mon rôle sera de vous présenter les gens qui ont de bonnes pratiques à vous partager et qui font la différence. J'aurai aussi la chance d'interviewer des panélistes en cours de forum. Et comme ils sont déjà prêts, je vais les inviter à venir me rejoindre sur scène, à prendre place. Ce sont les représentants des trois premiers établissements qui vont aborder la première thématique de ce forum. Donc, pendant qu'ils se joignent à moi, je vais vous présenter un peu ce segment. Donc, premier volet du forum qui s'appelle « Des comités des usagers et des comités de résidents engagés dans la mise en place de meilleures pratiques et dans l'amélioration des soins de services ». Pour ce segment, chacun des établissements aura droit à 10 minutes pour faire sa présentation. Je sais déjà que ce ne sera pas facile parce qu'ils ont tout un bagage. Mais bon, merci d'accepter ces règles du jeu, c'est fort apprécié. Et à la suite des présentations, je viendrai entre chacun des établissements pour prendre le temps de vous présenter, à la suite de quoi on aura une pause, le panel et la discussion avec vous tous. Sur le plan logistique, simplement vous assurer tout le monde que vos cellulaires sont en mode, que la sonnerie est fermée en fait, s'il vous plaît, pour la journée. Si jamais vous avez des appels que vous devez prendre, on vous invite simplement à aller à l'arrière au foyer pour vos conversations. Et je vous dirais que chacun et chacune a un bagage personnel et professionnel très, très riche. Alors, sachez que leurs biographies complètes sont disponibles sur le site Internet du Forum. Pour ma part, je m'en tiendrai à quelques éléments pour leur donner le maximum de temps d'antenne. Donc, nos premiers présentateurs sont du Centre hospitalier de l'Université de Montréal. Le thème de la présentation, amélioration de l'accessibilité universelle au nouveau CHUM. Cette présentation sera faite de façon conjointe par Mme Jeanne-Évelyne Turgeon. Madame Turgeon, qui est directrice de la qualité de l'évaluation, de la performance et de l'éthique au CHUM, qui compte plus d'une douzaine d'années d'expérience dans le réseau de la santé et qui, au quotidien, œuvre avec ses équipes à améliorer la qualité des soins et des services, la gestion des risques, le développement de l'éthique clinique, etc. Donc, ses priorités, ses mandats s'articulent vraiment à servir les patients, leurs équipes et l'organisation. Elle sera accompagnée de Mme Diane Brodeur. Mme Brodeur, qui est présidente du comité des usagers du CHUM, qui a œuvré dans différents secteurs cliniques et administratifs, comme gestionnaire tout au long de sa carrière. Mme Brodeur est retraitée depuis 2007 et depuis 2009, elle s'est investie au sein du comité des usagers du CHUM. Mesdames, on vous applaudit et on vous accueille. Ça fonctionne? D'accord, merci. Alors, l'occasion était trop belle pour nous au CHUM de ne pas soumettre cette initiative-là avec laquelle on a travaillé de manière très étroite avec le comité des usagers. Puis vous allez le voir, c'est une démonstration franchement d'engagement et de résultats. Donc, en 2011, pour ceux qui n'en avaient pas entendu parler, on commençait déjà des travaux extraordinaires partenariat public-privé. On comprend maintenant aussi ce que ça veut dire en termes de défis, cette organisation-là. On a travaillé avec le partenaire collectif Santé Montréal et à partir d'octobre dernier, c'était enfin la grande opération de réunir sous un même toit nos trois anciens hôpitaux qui étaient l'hôpital l'Hôtel-Dieu, l'hôpital Notre-Dame et l'hôpital Saint-Luc. Tout ça, évidemment, sous un bâtiment qui était excessivement moderne, à la fine pointe de la technologie, de l'innovation. Ça a été un événement extraordinaire, historique, mais avec des défis qui l'étaient tout autant, je vous dirais. On a été effectivement très enthousiasmés à travers ces mois-là, durant le déménagement, de vivre avec nos équipes, mais également avec tous les partenaires. Puis je tiens à souligner à quel point le comité des usagers était présent tout au long, avant, pendant et après ces opérations-là. Alors oui, un nouvel hôpital, un moment historique, comme je le disais,
Mais effectivement, on sait aussi ce que c'est que d'entrer, déménager dans une nouvelle maison et d'y vivre. Et des fois, entre les plans et entre la réalité, on constate certains écarts, même si on pensait avoir eu le temps et avoir prévenu tous ces enjeux-là. Donc, évidemment, on avait mené des consultations très élargies auprès de tous les groupes pour répondre le mieux possible aux besoins des usagers. On avait également aussi des groupes de travail où faisaient partie nos patients ressources. On avait consulté également de multiples tribunes. Mais tout ça faisait en sorte qu'on avait encore quelques écarts avec des besoins à rencontrer qui, eux, s'avéraient quand même assez importants. Puis, je tiens à dire quand même, c'est vrai que les normes du bâtiment, c'est quelque chose dans un bâtiment comme le nouveau CHUM. Ces normes-là ont toutes été rencontrées. Puis, c'est drôle, ce matin, je parlais avec Diane, notre présidente du comité des usagers, puis elle me dit, mais c'est vrai, je l'ai lu, le code du bâtiment. Je dis, mon Dieu, ils sont motivés. Donc, oui, elle a lu le code du bâtiment d'un couvert à l'autre, et puis elle s'est assurée que les travaux qu'on a faits étaient effectivement au rendez-vous. Cependant, dans les constats qu'on a faits, ce qu'on disait, c'est que l'accessibilité universelle, c'est sûr qu'il y a des particularités qui font en sorte que la clientèle qu'on dessert dans notre milieu hospitalier, il faut s'ajuster pour permettre une meilleure réponse à ces besoins-là, même si le code du bâtiment était rencontré. Alors, sans plus tarder, je vais vous présenter Mme Brodeur, qui va nous parler du travail qu'on a fait, puis du plaisir aussi qu'on a eu à travailler avec eux. Merci. Bonjour tout le monde. Désolée pour la voix un peu nasillarde, ça vient avec la fille ce matin. Alors, écoutez, tout ça a commencé un beau matin de novembre où j'ai reçu un appel du PDG, de son adjointe, pas du PDG comme tel, de son adjointe, qui me demandait si j'étais disponible pour faire un parcours du patient. Alors, j'ai dit oui, vers quelle heure? Bon, ça me convenait. Alors, je mets mes souliers de marche, j'ajuste ma montre pour calculer les pas et calculer les kilomètres, et je me rends au nouveau CHUM. Arrivé au nouveau CHUM, quelle ne fut pas ma consternation. J'étais consternée de voir le PDG, la PDGA, un paquet de directeurs, des gens de Consortium Montréal et du CHUM avec des notes, une chaise roulante où le PDG me dit « Vous vous y asseyez, Mme Brodeur, et le patient aujourd'hui, c'est vous. » Alors, ce fut tout un parcours et malheureusement, pas un parcours sans obstacles. De là, le mandat confié par le PDG d'effectuer une tournée de tous les services du nouvel établissement et de valider l'accessibilité universelle. Vous savez, l'accessibilité universelle, pour résumer ça, c'est pour les patients un parcours sans obstacle, mais ce n'était pas le cas. Alors, je me dépêche parce qu'on m'a dit que, puis je vais absolument tout vous présenter. Alors, l'équipe qui a fait les tournées avec moi, parce que je n'ai pas fait ça tout seul, puis je n'ai pas les connaissances pour faire ça, même si j'ai lu le code du bâtiment, que je suis allée vérifier à l'Ordre des architectes du Québec pour voir qu'est-ce qu'il y avait en termes d'accessibilité universelle. Alors, j'avais des représentants avec moi du CHUM, des architectes, des représentants cliniques et, bien entendu, le comité des usagers. Les visites, on a fait 25 visites, que je vous dirais diac sous diac, comme j'appelle, et 5 autres où j'étais en individuel avec un architecte pour la signalétique, pour essayer d'établir des normes pour que ça soit plus accessible, parce que je dois vous dire que les portes, elles n'étaient pas faciles à ouvrir. Visite de plus de 10 000 portes ont été testées. Alors, c'est des visites qui ont duré à peu près 2 heures, parfois 3 heures. Au début, le rythme était plus lent. Par la suite, ça s'est accéléré très rapidement et réalisé après les heures d'achalandage pour ne pas pénaliser nos usagers. Quelques exemples, je les glisse ici, là, difficulté d'ouvrir des portes, affiche des signaux visuels non adaptés, toilettes pour personnes handicapées non motorisées, endroit difficile à circuler, constaté dès ma première tournée. Alors, il y a eu un plan de mise en œuvre, des recommandations issues des rapports, correction des accès non conformes aux portes. En tout cas, j'en ai pas assez parce qu'il y a eu 25 rapports, 25 visites, 25 rapports qui ont été effectués. Alors, motorisation de nombreuses toilettes et motorisation de toutes les portes donnant accès aux cliniques. Tout n'est pas terminé, tout n'est pas gagné. Mais on continue.
Des patients et leurs proches mieux entendus dans leurs besoins particuliers, un environnement mieux adapté pour y répondre et une photo de moi au niveau de la visite du bloc opératoire. Les perspectives, suivi continu de la réalisation des travaux, poursuite de la participation du CU au comité de l'accès universel, collaboration du CU à la revision du plan d'action organisationnel du CHUM déposé à l'OPHQ dans une perspective d'accessibilité universelle et d'amélioration continue. Démonstration concrète d'un comité d'usagers pour travailler en étroite collaboration avec la direction de l'établissement pour améliorer l'environnement, la qualité et la sécurité pour les patients. C'est bon en affaire. Et voici, en terminant, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut activer le petit vidéo? Ah, c'est parti! Voilà, merci de votre écoute. Merci, mesdames. Toute une expérience. Hein? Franchement, c'est une belle perspective. Merci de votre engagement. La prochaine présentation, toujours sur le thème, s'intitule « Partenariat avec les comités des usagers et de résidents en CHSLD pour le bénéfice des résidents et de leurs proches ». Ce sont les collègues du CIS de la Montérégie Centre qui seront les présentateurs. Madame Annick Barré, notamment. Madame Barré, qui est à la fois personne ressource et coordonnatrice au comité des usagers continués du RLS, Réseau local de services du Haut-Richelieu-Rouville, depuis plusieurs années. Merci d'être avec nous, madame. Et du CIS Montérégie Centre, Monsieur Jacques Fortin, qui est directeur de la qualité, évaluation, performance, éthique et lean. Alors, tous les deux, je vous laisse le maximum de temps. Je vous invite pour votre présentation. On peut les applaudir également. Bonjour tout le monde. Écoutez, la présentation sur laquelle on veut s'attarder, c'est une initiative relativement simple, au fond, c'est les rencontres d'usagers et de familles dans nos CHSLD. La direction SAPA avait souhaité... Excuse-moi, c'est vrai. C'est Annick qui est ma gardienne du temps et des diapos. Avait souhaité introduire des réunions de famille depuis plusieurs années. En 2015, la direction a voulu s'associer de manière beaucoup plus proche avec les comités des résidents et le comité des usagers. Très tôt, on a voulu mettre en contact des secteurs qui parfois opèrent plus dans l'ombre. Je pense aux directions des ressources humaines, à la direction des services techniques, hygiène et salubrité, alimentation, directement en contact avec les familles et les comités de résidents. Oui. Des fois, les comités, ils manquaient un petit peu d'informations ou ils l'obtenaient de façon indirecte là, par l'entremise, soit du comité des usagers, de la personne désignée ou même par la direction de la qualité. Mais même si ces informations-là étaient parfois... dans la cour des secteurs de l'alimentation ou des secteurs du bâtiment, là, parfois. Donc, on avait besoin d'entendre certaines réponses à nos questions. Donc, dans cette optique-là, bien, les partenaires étaient invités à nos rencontres. On pouvait ainsi leur poser des questions directement, avoir des réponses claires à nos questions. Puis, on était également capable de les influencer plus directement pour une évolution des pratiques. Comme vous le savez, plusieurs directions, puis plusieurs secteurs ou instances disposent d'informations différentes. Vous en avez là, ce n'est pas des choses qui sont nouvelles pour vous. Des plans de travail, le comité des appels reçus, des suites de visites d'ordre professionnel. Mais sans créer une opportunité cyclique que ces informations-là soient formalisées, planifiées et descendent dans les comités des usagers, il est impossible de prétendre une gestion intégrée de la qualité puis une véritable culture du patient partenaire. Il fallait de plus être davantage en mesure de rejoindre dans le dialogue le plus grand nombre possible d'intervenants et de personnes en matière de communication et de partage. Les réunions de famille et les réunions de résidents en CHSLD
était pour nous un exemple important de lieu de convergence qu'il fallait saisir comme autant d'opportunités, 3-4 fois par année, de parler et surtout de s'entendre. Ces informations-là, ces lieux-là, étaient, il fallait les rendre comme étant des lieux de dialogue et non pas des lieux d'information, des lieux d'expression mutuelle, des lieux de partage des priorités. Donc, on tombait dans la cour de la gestion aussi, des lieux de recherche de solutions, d'apprentissage et surtout d'appropriation de la réalité des autres aussi. Vous comprenez qu'à partir du moment où on ouvrait les réunions de famille au comité des résidents davantage en partenariat, c'est une porte qu'on n'aurait pas pu refermer par la suite. Pour ce faire, il fallait donc faire deux choses. Être excessivement clair par rapport au rôle du comité, au rôle des chefs de service en hébergement. Oui, puis il fallait également s'assurer que les réunions de famille et plus spécifiquement les réunions des comités de résidents soient au rendez-vous et qu'ils soient réussis surtout. Il fallait donc, au niveau des rôles que la direction, par exemple, de l'hébergement, s'était dotée d'un plan de travail intégré qui intégrait à la fois les éléments de l'agrément, les éléments du budget, les recommandations diverses, les rapports d'inspection professionnelle, les rapports d'incidents et accidents. Ce plan de travail a donc été déposé, épluché, décrit au sein de chacun des comités de résidents, puis je vous dirais plus sommairement au niveau des comités de des réunions de famille. Les chefs d'unité devaient être capables de s'approprier de leur plan de travail, mais le rendre aussi intelligible pour monsieur et madame tout le monde qui siégeait sur les comités de résidents. Ça demandait donc une ouverture, ça demandait à ce que les gestionnaires développent cette compétence qui n'est pas innée d'être capable de traduire des éléments clinico-administratifs en dimensions compréhensibles pour la population. Oui, puis les comités des résidents, eux, bien, ils doivent bien saisir leur rôle. Les membres doivent être présents dans les milieux. Ils doivent communiquer clairement leurs attentes et leur insatisfaction. Puis le comité des usagers, lui, bien, il épaule, il soutient la formation des membres des comités de résidents afin de les aider à mieux exercer leur rôle adéquatement, dans le fond. La direction qualité, évaluation, performance, éthique et lean servait d'agent de liaison, puis je vous dirais d'agent de traduction des fois aussi. Le comité des usagers demandait de voir, par exemple, la coordonnatrice de l'urgence, être capable de comprendre les statistiques des délais à l'urgence. Évidemment, on n'est pas dans l'univers des CHSLD, mais plus dans l'univers de l'usager en général, d'être capable de comprendre comment s'exprime et ce que veut dire nos gestions de liste d'attente. Les chefs de services alimentaires viennent une fois par année déposer leur plan de travail, articuler pourquoi ils ont réalisé des choses, pourquoi ils en ont mis d'autres sur la glace. La DQPL soutient aussi la réalisation d'enquêtes, de sondages, d'audits, de vox pop mensuels dans chacun de nos points de service par le comité des usagers et soutient le dépôt aussi de plusieurs plans de travail, notamment, je vous l'avais dit, la DST, l'urgence et tout ça, et l'articulation de ces plans-là. En collaboration avec la direction adjointe de l'hébergement, on a monté un calendrier pour les rencontres de famille, puis le choix des dates était convenu entre nous, le comité de résidents, et la direction également. Et dans ces réunions-là, bien, on a déposé, la direction a déposé ses plans de travail, toutes les procédures, les politiques pour nos examens, nos commentaires, et ont intégré ces commentaires quand c'était pertinent. Les chefs d'unité se rendent disponibles à chacune des rencontres, restent durant presque l'entièreté de la rencontre à la demande du comité des résidents, doivent être proactifs, obtiennent de Annick la liste des suivis à faire de mois en mois et doivent y répondre le mois suivant. Oui, puis les chefs d'unité, dans le fond, ils sont systématiquement formés par le RPCU puis intègrent les membres des comités des résidents lors des comités milieu de vie. Les comités de résidents, quant à eux, ils ont soutenu l'expression des demandes et des insatisfactions de leurs membres pour faciliter la compréhension. Il y a eu également un partage des babillards avec des babillards d'affichage avec la direction SAPA. Du côté du comité des usagers, ben eux, ils démontrent leur soutien auprès des comités de résidents. Ils soutiennent la formation du RPCU qui est jugée obligatoire pour tous les nouveaux membres. Je vais passer à la prochaine. On en a parlé. On manque de temps. Pas de problème. Les rencontres de famille, dans le fond, ils sont organisées 3 fois par année dans chacun de nos CHSLD et l'Assemblée générale des comités des résidents a lieu dans ces mêmes rencontres-là. Donc, le côté secrétariat est assuré par la direction SAPA à ce moment-là. Lors de ces réunions-là, en plus de la direction et des chefs de service, bien, les présidents, autant de comités des résidents que d'usagers, sont présents. Les ordres du jour sont rédigés conjointement avec le comité des résidents.
pour s'assurer que les points d'information soient présentés et discutés et les questions également répondues. Je vais vous dire un petit peu ce qu'on se dit après les rencontres de famille, quand une fois qu'on a rencontré tout ça. Comment est-ce que ça nous fait du bien à nous, les membres d'usagers, de ne pas se faire prendre pour des nonos, de ne pas se faire jouer du violon, d'avoir la bonne information. Ça nous permet, dans le fond, de faire avancer nos dossiers. Je ne peux pas vous dire que le directeur de la qualité, il nous fait toujours plaisir et il nous dit toujours ce qu'on veut entendre, mais au moins, il nous donne toujours la bonne information. Puis ce partenariat-là, il est tellement, mais tellement important. On l'apprécie vraiment, mais vraiment, vraiment beaucoup. Quelques initiatives qui ont eu lieu à l'issue de nos dialogues. Dans un de nos CHSLD où il y a beaucoup de chambres semi-privées, on a créé à la demande du comité des résidents des espaces de vie pour la fin de vie. Il y a eu des aménagements de terrain à Gertrude-la-France où une terrasse est en train de se faire, qui a donné un accès aussi à de l'eau pour les usagers qui sont sur la terrasse et être présents. Oui, puis la terrasse à Gertrude-la-France, dans le fond, elle devait être en pavé uni, mais les résidents ont dit « Non, non, c'est trop difficile pour nous qui sommes en fauteuil roulant, donc la dalle va être en béton pour faciliter. » Donc, dans le fond, on est vraiment entendu de la part de la direction, puis ça, c'est vraiment un beau partenariat qu'on a. Il y en avait quelques-uns d'autres, mais je pense que la trappe va s'ouvrir, Annick. Oui, c'est ça. Alors, merci beaucoup. Merci. Ah, vous êtes super, en tout cas. Si j'ai le rôle ingrat, là, vous le faites très bien. Puis merci de nous partager ça, comme si on était un peu chez vous. Troisième présentation sera faite par les gens du 6 de l'Abitibi-Témiscamingue, le sujet colloque du comité des usagers. On entendra Mme Maggie Vallière, qui est directrice de la qualité, évaluation, performance, éthique au Centre intégré de santé et de services sociaux. Également Mme Claudette Carignan, qui est présidente du comité des usagers. Mesdames, à vous le lutrin. Bonjour tout le monde. Ça nous fait extrêmement plaisir de vous présenter aujourd'hui le colloque des comités des usagers qui s'est tenu en février dernier, puis qu'il y aura, dans le fond, avec ce colloque-là, ça nous a permis vraiment d'atteindre plusieurs objectifs. Vous parlez un petit peu de notre centre intégré. On a 148 000 de population répartie sur un très vaste territoire, 9 comités d'usagers, 12 comités de résidents et un QC. Donc, ça donne un petit peu l'ampleur du travail qu'on a à faire pour un centre intégré comme le nôtre. Oui, effectivement, comme Maggie vient de vous montrer, le territoire est très grand, donc d'organiser un colloque, c'était tout un défi. Ça demandait beaucoup de mobilisation de tous nos membres du comité des usagers du centre intégré. Pour bien répondre, pour bien organiser ce colloque, on a organisé un sondage auprès de nos membres. Il y a certains besoins qui ont ressorti, clairement sorti de ce sondage. Les gens, nos membres avaient besoin de formation pour mieux intervenir, pour s'outiller. La nécessité aussi de considérer les droits de nos usagers dans le quotidien des comités. L'importance de discuter de partenariats, de collaboration avec l'établissement. L'importance de reconnaître nos bénévoles, leur implication, leur motivation. La nécessité aussi de favoriser le recrutement, être créatif dans les moyens. D'autres besoins ressortis, comme de comprendre les changements de l'organisation. On sentait très bien que nos membres de CU, de CR, avec l'arrivée des QC, avaient un petit peu discuté à bien camper le rôle de chacun. Donc, c'était bien important qu'on puisse le faire. On l'a fait à l'intérieur du colloque, évidemment. Et surtout, de réitérer le fait que l'usager est toujours au cœur de nos préoccupations et que les comités sont déterminants auprès de ceux-ci. Et également, ce colloque nous a permis aussi de poursuivre le travail avec nos partenariats, avec nos partenaires du milieu. Vous avez sous les yeux le déroulement du colloque. On l'a organisé sous le thème « Défis et formation » sur une journée de… Comme ça? C'est bon, merci. Le déroulement du colloque s'est fait sur une journée et demie sous le thème « Défis et formation ». De tous les besoins que je vous ai énumérés, trois grands ateliers ont été retenus. On sentait le besoin de formation de base sur nos fonctions légales et nos fonctions sur le terrain également. Un autre atelier qui était « Agir, mais comment? » Les membres veulent agir, mais comment on doit agir?
Ensuite de ça, le troisième atelier, c'était recruter, maintenir et mobiliser nos bénévoles. Le premier atelier, qui était sur la formation de base, c'est un membre formateur du RPCU qui est venu nous accompagner dans cet atelier, qui a donné l'atelier. Et c'était très important pour les membres de bien connaître leur mandat. Pour certains, ils ont rafraîchi leurs connaissances. Ça a permis aussi beaucoup de questionnements sur des expériences terrain qu'ils avaient vécues. Ça l'a consolidé aussi pour certains ce qu'ils faisaient. Donc, cet atelier-là a été vraiment important pour bien comprendre leur rôle. Le deuxième atelier. Oui, le deuxième atelier, c'est mon coup de cœur. Ce qu'on a fait, c'est... tous les ateliers étaient intéressants, mais celle-là, elle avait un petit quelque chose. Pour outiller les comités, on a élaboré, dans le fond, 8 mises en situation qui étaient inspirées, oui, de cas réels, mais un peu fictifs aussi, qui nous permettaient vraiment d'aborder différents thèmes comme la sécurité, des soins et des services, le partage d'informations, la participation des gens à l'intérieur de leur plan d'intervention. Les ateliers se sont faits vraiment sous forme de discussion et d'échanges qui étaient animés. Puis, avec ces ateliers-là, ça nous a permis d'aller vraiment ou d'avoir des réflexions qui étaient toutes en nuances. Ça nous permettait d'aller toucher certains droits concrets au niveau des usagers, par exemple, le consentement, l'aptitude, la notion de représentant. Ça nous permettait aussi d'aller toucher, oui, des interventions légales, mais d'y aller aussi en nuances parce que les membres des comités sont aussi... des bénévoles, ils sont aussi des membres de famille. Parfois, les rôles sont un petit peu mélangés, puis c'est normal. Donc, à partir de là, on abordait doucement l'ensemble de ces fonctions-là, et puis ça nous permettait aussi d'orienter les bénévoles, de nous comme organisation, donner de l'information sur nos attentes, sur les droits, mais aussi sur les responsabilités et les obligations. Et ça permettait aussi d'aller chercher de l'information sur plein de petits détails au niveau des comités d'usagers que, habituellement, on recueille à l'intérieur de chacun des comités d'usagers, mais là, ça nous permettait d'avoir un échange collectif sur certaines choses qui étaient très, très, très appréciées. Ça nous a permis aussi de donner de l'information sur différents types d'hébergement. Les gens s'y perdent un petit peu parfois vers les soins de longue durée, les ressources intermédiaires, les ressources de type familial, les ressources pour les résidences pour personnes âgées, sur les contentions, sur les alternatives à l'urgence. Et ça nous a permis aussi d'avoir de beaux témoignages sur les bons coups. On a plusieurs témoignages au niveau des bons coups faits par nos préposés aux bénéficiaires, par exemple, des choses qu'on a entendues puis que ça faisait vraiment du bien. Donc, c'est vraiment un petit atelier coup de cœur. Le troisième atelier, qui était nos bénévoles, comment les recruter, les maintenir, les motiver. Donc, l'objectif qu'on s'est donné, c'était peut-être de commencer par faire comprendre à nos membres pourquoi on est un bénévole. On fait du bénévolat pourquoi exactement? Parce qu'on a un grand besoin d'implication, on a besoin de redonner au suivant, on a besoin de reconnaissance, de vivre une passion. Et parfois aussi, c'est la cause qui nous amène à donner du bénévolat. Donc, à partir de cet atelier, les gens étaient mieux outillés pour comprendre l'idée d'être un bénévole, c'est quoi. Donc, nos membres sont partis mieux outillés pour faire eux-mêmes leur propre recrutement, parce que le recrutement dans nos comités d'usagers, c'est un grand enjeu. Puis, le dernier atelier s'est fait au niveau du partenariat et de la collaboration. Pour nous, c'est important de donner le ton. Puis, on travaille tous dans un même objectif qui est la qualité des services et puis l'adaptation des services aussi aux besoins des usagers. Donc, comme on y a à cœur et puis on est dévoué autant au niveau des comités d'usagers que les organisations, je pense que c'est important. Puis, c'est ensemble qu'on est en mesure de faire toute une différence. Seul, c'est beaucoup plus difficile. Pour l'avenir, écoutez, il va être essentiel qu'on poursuive cet échange d'informations et principalement avec notre établissement, parce qu'on est complémentaires, on l'a bien senti lors de ce colloque, de valider également ce qui a sorti lors du panel, c'est les perceptions et les faits. Ça, c'était bien important. Je pense que les gens ont bien apprécié qu'on comprenait que les gens pouvaient avoir des perceptions, mais ce n'est pas toujours les faits. Donc, ça, c'était bien important que ça soit mis en perspective lors du panel, on le fait. De soutenir et de continuer notre travail de collaboration. Et pour nous, le QC, tous les items, toutes les attentes, les besoins qui ont ressorti lors de ce panel vont faire partie de notre plan d'action. Puis dans le plan d'action, l'établissement va être avec nous, notre partenariat va se poursuivre parce qu'on est complémentaires.
Donc, pour terminer les résultats, la satisfaction des membres, on a premièrement eu un très bon taux de participation de nos membres de comités d'usagers, comités de résidents, mais aussi un très haut taux de satisfaction. Les gens dénotaient une satisfaction de plus de 90 %. Le contenu était adapté à leurs besoins. Vous comprendrez, on a différentes réalités, différentes couleurs, différentes sortes de comités d'usagers avec des maturités qui sont tous différents aussi. Pour nous, c'était vraiment important de faire ressortir ça. Puis, le comité organisateur en a tenu vraiment, oui. En a pris vraiment connaissance et conscience et a vraiment adapté l'ensemble du contenu à cette réalité. La participation du Centre intégré, on a l'équipe de commissaires aux plaintes qui est avec nous. On a différentes directions, SAPA, Santé mentale, se sont impliquées. Nous, au niveau de la direction de la qualité aussi, il fallait être ouvert à accueillir les besoins, les préoccupations, avoir de l'écoute, et les gens étaient prêts pour la tenue d'une activité de ce type-là. Ça nous a permis aussi d'avoir, avec les exposants, échangé. Ça a été très riche en expérience et très énergisant. Pour terminer, les facteurs de réussite, donc la collaboration dans l'organisation puis dans la planification d'une activité de ce type-là doit vraiment se faire avec l'établissement. On doit avoir du respect en tout temps avec ce qu'on entend, ce qu'on dit, comment on le fait aussi. C'est important pour avoir un engagement de nos bénévoles. Les gens sont dévoués, il faut les conserver, nos bénévoles, c'est très, très, très important. On a tous à cœur les droits des usagers et puis les familles, ainsi que les responsabilités associées. Donc, on est vraiment très fiers du travail accompli par nos comités. Oui, effectivement. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Mesdames Vallière et Carignan. Également, je vais remercier Mme Barré, M. Fortin, Mme Brodeur, Mme Turgeon. C'est un plaisir de vous avoir avec nous pour aborder le sujet. On s'arrête une pause à 10 heures. On reprendra tant en salle que sur la web diffusion. Alors, merci de votre ponctualité. Et on sera avec notre panel d'experts dans quelques minutes. Merci tout le monde.
quatre panélistes à venir à la fois réagir sur ce qu'on a entendu et nous partager également leurs perspectives. Ce sera suivi d'un échange avec vous en salle. C'est ce qui nous attend pour le reste de la matinée. La thématique collaboration, partenariat, des leviers pour améliorer de façon continue les services de santé, de services sociaux. Je vais vous présenter encore là brièvement mais nos quatre panélistes, en commençant à votre gauche, juste à côté de moi, Mme Nicole Tremblay. Mme Tremblay, qui est présidente du comité des usagers du 6 Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mme qui a... Pardon? Le CIUS. Excusez-moi. Ben oui. Ah, bon, ben, je fais des petites corrections, c'est parfait. Je vais apprendre plein de choses toute la journée, hein, je ne suis pas du réseau. Merci beaucoup. Vous avez œuvré pendant plusieurs années, si je disais pendant 25 ans comme professionnelle en réadaptation auprès des personnes handicapées intellectuelles, également une dizaine d'années au Centre de réadaptation physique de Jonquière. Donc, merci d'être avec nous aujourd'hui. À ses côtés, Mme Danielle Corbeil. Mme Corbeil, qui est commissaire adjointe aux plaintes et à la qualité des services au CIS de la Montérégie-Centre. Bienvenue, madame, qui a passé d'ailleurs une vingtaine d'années à œuvrer dans le réseau de la santé et des services sociaux. Donc, vous avez une riche perspective à nous partager. Monsieur Bruno Petrucci, bonjour. Il est directeur de la qualité de l'évaluation, de la performance et de l'éthique au CIUS de l'Estrie, CHUS. Vous œuvrez dans le réseau de la santé depuis plus de 25 ans. Vous avez occupé différentes fonctions comme cadre supérieur en Montérégie et à Montréal. Et monsieur Mario Di Carlo, patient partenaire auprès de plusieurs organismes, notamment la Société de l'arthrite, la Société canadienne de la douleur, l'Association québécoise de la douleur chronique et plusieurs autres. Vous avez participé à la révision du livre « Vivre en santé avec une maladie chronique » et il a également assumé un rôle clé comme maître formateur dans l'expansion du programme connu sous le titre de l'ABC de l'autogestion des soins. Alors, merci à tous les quatre d'être avec nous. J'ai une question pour chacun, puis on pourra alimenter les discussions au fur et à mesure. Je débute avec vous, Mme Tremblay. On a eu accès à plusieurs présentations ce matin. Vous connaissez bien les comités d'usagers. Donc, quels sont les facteurs qui, selon vous, contraignent la participation des comités d'usagers à l'amélioration des soins et des services? Puis, en même temps qu'on vous demande les facteurs qui contraignent, c'est quoi les leviers qui nous permettent de réussir? Alors, on vous écoute. Je vous demande ça tout de suite comme ça. Les facteurs qui contraignent, c'est peut-être la reconnaissance des comités d'usagers dès l'instauration d'un comité pour améliorer les services, au lieu d'attendre que peut-être de juste nous demander si on a des observations, de nous demander peut-être de participer au comité vraiment, moi je vous dis, selon mon expérience, ça serait... Un des leviers que vous m'avez demandé. Et l'autre question était? Très bien. Bien, je vois que vous avez quand même des éléments de présentation. Est-ce que vous voulez y aller avec votre contenu, oui, puis on complétera par la suite? Oui. Et en fait, moi, mon contenu est vraiment préparé en lien avec des bonnes pratiques que nous avons, nous, au niveau du comité des usagers dans notre secteur du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et d'entrée de jeu, je voudrais vous dire que je suis ici ce matin, même si j'aurais aimé ça participer tout le long du forum, mais j'ai une contrainte, je dois assister aux funérailles de mon beau-père cet après-midi. Mais j'ai tenu quand même à participer ce matin parce que, et d'un, on s'est préparé beaucoup et on était bien préparé aussi par le ministère, mais aussi parce que je voulais vous faire un témoignage en lien avec les bons services que mon beau-père a reçus au CHSLD de Sainte-Thècle dans Mauricie, centre du Québec. Alors, malgré tout ce que le personnel peut rencontrer en cours de route, il a reçu vraiment des services de qualité, puis je tenais à le souligner, parce qu'on entend souvent parler des choses qui sont moins belles, mais je pense que c'est important d'en parler. En fait, moi, c'est ça, je suis présidente du comité des usagers du CIUS, et ce que nous, on a vécu avec l'arrivée de la loi 10 en 2015, qui a modifié l'organisation du réseau de la santé et des services sociaux, ça exigeait la mise sur pied de comités des usagers fusionnés. Ce regroupement des comités se retrouve donc sur le territoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean au complet. Cette nouvelle structure de coordination, d'harmonisation et de représentation vise à être le porte-voix de l'ensemble des 8 comités des usagers et des 16 comités de résidents. Ça représente environ 175 bénévoles environ et 8 personnes ressources. Une des premières préoccupations que le QCI a eue, c'était de se doter d'un moyen pour recueillir les données de chaque comité des usagers.
À cet effet, un outil de recension informatisé a donc vu le jour afin de quantifier et classifier les demandes qui relèvent des fonctions des comités d'usagers et des comités de résidents. Cette cueillette colligée nous dresse un portrait régional des interventions réalisées. Dans ce formulaire, on y retrouve toutes les installations concernées. Comme on disait avec les fusions, on représente autant les centres de jeunesse, la DITSA, la déficience physique, et les CHSLD et les centres hospitaliers, et même le centre de dépendance. On y retrouve ces installations. On y retrouve aussi l'objet des demandes. On parle, entre autres, comme on parlait ce matin, de l'accessibilité aux soins et services et de l'accessibilité des établissements aussi, les aspects financiers, les relations interpersonnelles. Et enfin, on y retrouve aussi le suivi aux plaintes. Alors, à ce moment-là, on travaille en faisant des références comme à la commissaire aux plaintes ou au centre d'assistance aux plaintes. On donne aussi de l'information pour les droits des usagers et souvent, on accompagne les usagers. Ce sont nos actions en lien avec cet outil de recension. D'ailleurs, à ce titre, nous avons reçu un prix d'excellence en 2016 de la part du RPCU dans la catégorie défense de droits. Pour être à l'écoute des résidents de tout le territoire de Jonquière, on a aussi les quatre comités des centres d'hébergement qui ont formé une table, ce qu'on appelle la table des présidents. En 2013, il existait déjà cette table-là et elle se rencontrait quatre fois par année. À l'origine, c'était vraiment dans le but d'élaborer un sondage de satisfaction qui fut réalisé à l'ensemble des résidents du secteur Jonquière. Par la suite, le bien fondé et l'enrichissement de ces réunions, de ces rencontres, demeure toujours le meilleur moyen d'échanger sur les difficultés rencontrées dans les centres d'hébergement, mais aussi pour partager les bons coups. Le coordonnateur à l'hébergement assiste, soit physiquement ou par téléphone, dépendamment de sa disponibilité, à une partie de la rencontre. Il accueille les préoccupations et discute des solutions à apporter. Au dire des quatre participants, parce que vous le savez, comme bénévole, il y a beaucoup de femmes, cette tribune permet de briser l'isolement et d'harmoniser les meilleures pratiques pour tous les résidents, quel que soit le centre d'hébergement. Par exemple, il y a eu un outil qui a été instauré pour la désinfection, exemple, des fauteuils roulants ou des fauteuils gériatriques où c'était problématique. Alors maintenant, il y a un calendrier qui a été mis sur place et qui nous permet, comme comité de résidents, d'avoir un suivi par rapport à cette problématique-là. Il y a aussi le fonctionnement des buanderies. Donc, cette mise en commun permet d'avoir le même service pour tous les résidents du secteur. À Chicoutimi, le comité de résidents La Colline aussi travaille beaucoup en collaboration avec l'équipe de gestion. Madame Raymonde Monger, qui est d'ailleurs ici au forum, présidente du comité, a quand même beaucoup de travail auprès de la clientèle. À ce titre, d'ailleurs, les bénévoles ont une présence vraiment hebdomadaire dans la résidence et les confidences viennent plus facilement, surtout lorsqu'elles portent une veste d'identification. D'ailleurs, j'en ai apporté une juste pour vous montrer le visuel, qui est tout le long, quand ils sont présents ou présents dans l'établissement, ils portent la veste, donc ça invite les résidents à venir aborder les personnes s'ils ont besoin. Il y a aussi une activité porte-voix, comme ils l'appellent, qu'ils l'ont nommé le café des comités. Ça permet à des résidents, autres que ceux qui sont sur le comité, d'assister à une partie de la réunion, tout en répondant à des questions sur l'environnement de leur milieu de vie. Exemple, l'alimentation, la sécurité, les soins de fin de vie. Et tout ça se fait de façon conviviale et avec la participation aussi de l'éducatrice spécialisée pour favoriser la participation des résidents qui se joignent au comité. Ça permet à ces personnes de se faire entendre puis d'avoir une contribution valorisante dans leur milieu sans avoir besoin d'assister à une réunion parce que souvent, ils n'ont pas l'énergie et ils ont moins les capacités, mais ils sont capables de répondre à des questions qui sont plus faciles. Cette activité réalisée avec l'aide de l'éducatrice, comme je vous le disais, apporte des améliorations qui sont identifiées et qui, par la suite, elles sont discutées et développées en collaboration avec la chef de service. Un exemple, on souhaitait avoir un symbole religieux. C'est pas parce que je viens du Saguenay que c'est comme ça, là. Mais on souhaitait avoir un symbole religieux
à l'endroit où on célèbre la messe. Alors, je peux vous dire que leurs prières ont été exaucées et le crucifix a été sorti de l'entrepôt et a été accroché à la grande satisfaction des résistants. Ce comité a aussi initié et importé un outil d'information qui s'appelle « Aller rapidement » pour éviter les désagréments. Il est remis au jour 1 de l'arrivée du résident, accompagné de son proche, pour faire mieux connaître leur nouveau milieu de vie. On y retrouve de tout ce dont ils ont droit, ce qui est fourni et ce qu'ils doivent fournir aussi, et ce qui est offert. Ils l'appellent communément comme à l'hôtel. D'ailleurs, ça me faisait rire tout à l'heure parce que j'étais à Houlton, puis quand j'ai pris l'ascenseur, il y a une petite identification sur le panneau qui est marqué « Question pour les usagers ». Je pensais qu'ils savaient que j'étais ici, non, parce que... tout y est décrit simplement et avec un visuel intéressant. Puis s'il y en a qui veulent le voir, j'en ai apporté des copies aussi. Ce n'est qu'un bref aperçu des quelques moyens innovateurs créés afin de mieux représenter et répondre aux besoins des usagers et des résidents. Et la mise en commun des forces vives nous permet d'être plus forts et de faire des actions concertées, issues de l'expertise de chacun. Et j'entendais parler tantôt de la reconnaissance des proches aidants, je le rajoute, parce que pour nous, c'est vraiment quelque chose d'important. Et on a même un objectif suite au sondage qu'on a effectué pour justement valoriser et même préciser peut-être le rôle du proche aidant avec peut-être un guide qui accompagnerait tout ça. Merci beaucoup. Merci, Mme Tremblay. Est-ce que vous voulez revenir un petit peu plus tard sur les éléments de facteurs qui améliorent puis les difficultés? On reviendrait sur cet élément-là un petit peu plus tard? Oui. Parfait. Monsieur Di Carlo, j'aurais le goût de m'adresser à vous dans un deuxième temps. Vous avez entendu Mme Tremblay les présentations de ce matin. Vous-même, vous avez l'expérience d'être usager partenaire. Alors, selon vous, quels sont les avantages de travailler en partenariat, en collaboration, puis peut-être aussi les obstacles, mais comment on peut les passer au travers, ces obstacles-là? Oui, merci. Je vais juste m'avancer un petit peu, sans tomber. D'abord, j'ai beaucoup apprécié les présentations ce matin. On a parlé de donner de l'information, on a parlé de collaborer pour changer notre environnement et aussi de faire participer les patients, puis les organismes, les leaders dans le système de santé, travailler ensemble. J'apprécie beaucoup les comités des usagers. D'ailleurs, j'ai été coprésident du comité des usagers du CUSUM. Pendant quelques années. Et durant ce parcours-là, je me suis impliqué en tant que patient partenaire. D'abord, juste pour redéfinir, quand on parle de comité des usagers, on a des mandats, disons, précis, et c'est au niveau de l'amélioration de la qualité, c'est au niveau de la défense des droits. Et c'est un mandat qui est très défini de par la loi, etc. Quand on parle de partenariat patient, c'est très différent. On ne parle plus de défense de droit. On parle d'utiliser des patients qui sont d'autres patients, pas nécessairement les membres des comités des usagers. Ça peut être n'importe qui a une expérience de vie, un savoir expérientiel, qui peut être très utile dans l'amélioration des services et de la qualité. Donc, on veut vraiment utiliser les patients là où ils sont le mieux. Par exemple, si on veut améliorer quelque chose au niveau des services ou de la qualité au niveau du diabète, on n'impliquera pas un patient qui a une expertise dans l'arthrite, par exemple. Donc, on veut vraiment aller chercher et recruter les bons patients et les mettre aux bons endroits. Et le comité des usagers a un rôle à jouer là-dedans, collectif. Par contre, le patient partenaire, lui, c'est individuel et il est recruté de façon différente. Il y a un profil qui peut être différent aussi. Donc, quand on veut adresser un problème, une problématique dans un organisme, il faut savoir, est-ce qu'on a besoin d'un comité d'usagers pour nous soutenir parce qu'il y a une question, un volet de défense des droits ou un volet collectif à adresser, ou est-ce qu'il faut qu'on ait un savoir expérientiel, aller chercher des patients qui ont une expérience précise dans tel ou tel domaine. Ça peut être soit au niveau des soins particuliers, mais ça peut être aussi au niveau de la gouvernance.
Donc, un patient peut à la fois avoir un savoir expérientiel dans son quotidien, soit avec, vivre avec la maladie et naviguer dans le système de santé, mais il peut aussi avoir d'autres connaissances au niveau de la gouvernance. Moi, j'ai de l'expérience dans les deux cas et j'ai pu m'impliquer à différents niveaux de l'organisme, incluant le conseil d'administration, la haute direction, le département de la qualité, etc. Une chose qu'on a faite, parce que ce qui arrive souvent, il faut être franc, et c'est que le comité des usagers parfois prend des positions revendicatrices, et c'est normal. C'est un organisme qui est indépendant, qui est autonome. Ils ont un rôle à jouer, etc. Et parfois, dans le passé, s'il y avait une intervention de patients qu'on allait chercher, on allait toujours puiser parmi les membres du comité des usagers. Aujourd'hui, ce qu'on veut faire, c'est prendre beaucoup d'expansion, utiliser les patients « at large ». Au lieu d'avoir 12 membres d'un comité d'usagers, ou si on prend les autres membres des sous-comités, c'est quand même un nombre limité. Mais si on s'en va vers le partenariat patient, qu'on utilise d'autres expertises, des savoirs expérientiels, on peut aller chercher beaucoup d'autres patients et d'expertise. Donc, c'est très important que les comités d'usagers embarquent de façon complète dans cette initiative. Au CUSUM, il y a quelques années, j'ai pris l'initiative d'aller voir le département de la qualité et leur proposer de mettre les différents joueurs ensemble. Donc, de mettre le comité d'usagers, le partenariat patient, ainsi que la commissaire aux plaintes et le département des bénévoles autour de la même table, de faire une table de concertation. Et le service de la qualité a adoré l'idée. Donc, il y avait un représentant, évidemment, la coordonnatrice du partenariat patient qui relevait de la qualité qui était présente, et les quatre autres membres que je viens de mentionner. Et ça, ça nous a permis de nous aider à avoir une meilleure vue d'où est-ce qu'on peut intervenir. Parce que le département des bénévoles aussi, hein, ils voient des choses, ils accompagnent des patients et ils peuvent avoir une perspective qui peut aider aussi. Donc, on les a mis ensemble et on travaille pour prioriser les choses et se dire, OK, ben ça, c'est peut-être plus pertinent que ce soit un patient partenaire qui s'en occupe ou ça, c'est plus comité des usagers ou ça appartient vraiment à la commissaire aux plaintes. Monsieur Di Carlo, quand vous réunissez tous ces gens-là ensemble, à quelle fréquence vous vous rencontrez pour discuter, apporter des améliorations? On se réunit quelques fois par année pour l'instant. On est en train de fignoler encore pour améliorer et bonifier ce programme. Ouais. OK. Et voilà. Merci. Excellent. Merci. Madame Corbeil, je vais m'adresser à vous. Dans le cadre du régime d'examen des plaintes, les comités des usagers, les centres d'accompagnement et d'assistance aux plaintes et les commissaires locaux aux plaintes et à la qualité des services sont des partenaires qui sont engagés dans la recherche de solutions pour améliorer les services. Selon vous, de quelle façon est-ce que tous ces acteurs-là peuvent travailler ensemble pour améliorer les soins, avec votre perspective à vous? Parfait. Alors, bonjour à tous. C'est avec plaisir que j'ai accepté de prendre la parole concernant notre expérience de collaboration, parce que voilà un moyen, une coopération pour pouvoir travailler avec l'ensemble des partenaires. L'ensemble des partenaires, comité des usagers, de résidents, incluant le centre d'assistance et d'accompagnement aux plaintes, qui est pour nous le cap de la Montérégie Centre. Avant de vous présenter les moyens de coopération, et nous les avons déjà beaucoup entendus sous différentes formes, des projets, des participations ponctuelles, il faut mentionner que notre rôle comme commissariat est bien spécifique, notamment dans la loi. Donc, un encadrement, la loi sur la santé et les services sociaux, comme vous le savez, qui s'inscrit pour le régime d'examen des plaintes, bien dans une démarche d'amélioration de la qualité des soins et services. Tout ceci, bien sûr, en lien avec des normes qui sont standardisées, des normes reconnues,
notamment d'Agrément Canada, avec lesquels nous sommes, bien sûr, les établissements en contrat, en lien. Ce qui nous définit avec toutes ces normes, avec la loi, d'être une instance non seulement de la qualité, mais de la sécurité, sans toutefois être une direction opérationnelle. Donc, cela veut dire que l'on respecte les démarches qui sont établies dans les services, dans les directions. Vous savez, plusieurs des usagers nous appellent, viennent nous voir à nos bureaux pour nous dire « Je ne veux surtout pas déposer une plainte. Ce n'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est que je veux pouvoir transmettre des commentaires dans le but d'améliorer un processus ou une expérience que j'ai vécue. Alors, je dois rétablir, disons, ce que nous faisons, c'est-à-dire on est un commissaire aux plaintes, mais également à la qualité, et on peut faire l'accompagnement des usagers dans la perspective de qualité. Et c'est souvent ça qui intéresse la population. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas le droit de déposer des plaintes formelles sur des situations qui les ont préoccupés grandement. Cet aspect-là, nous, on le travaille avec la clientèle, les usagers, par le biais, bien sûr, des plaintes. Lorsque les gens nous demandent de prêter une assistance, on les accompagne parce que les comités des usagers, de résidents, le CAP, nous ont interpellés pour également faire l'accompagnement. Aussi, on travaille dans la perspective de qualité. Lorsqu'un usager ne veut pas déposer une plainte, mais a une préoccupation, alors là, on utilise notre pouvoir bien spécifique celui du pouvoir d'intervention prévu par la loi et qui est pour nous un levier autonome et un levier clé lorsqu'il n'y a pas de dépôt de plainte formelle. À ce moment-là, ça libère aussi un peu l'usager qui sera sans rassuré de ne pas avoir à se nommer nécessairement et qui nous donne libre action dans nos enquêtes. Et vous savez, je pense au signalement, surtout particulièrement avec la nouvelle loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité. Aussi, nous accueillons, et c'est là où un rôle important de la qualité, les commentaires des usagers qui sont positifs. Et souvent, là, on peut transmettre ces commentaires par voie officielle au chef et à leur équipe. Donc, ça a un poids et c'est toujours bien agréable pour un chef ou une direction de pouvoir transmettre formellement les commentaires de qualité et pouvoir continuer sur les points d'amélioration. Nous sommes donc, comme instance, un détenteur d'une partie de l'information qui nous est transmise par le biais des plaintes, par le biais d'une demande d'assistance, par des commentaires, par un signalement et notre pouvoir d'intervention, aussi par la consultation. Comme nous sommes détenteurs d'une certaine information, on peut donc également la transmettre aux partenaires. Nous sommes une instance où on a la capacité d'être en consultation tant avec les directions qu'avec le CAP Montérégie, qu'avec les comités de résidents des usagers qui nous sollicitent. Notre approche, notre écoute, notre vision commune, c'est une valeur ajoutée. Et quand je parle de vision commune, bien, c'est celle qu'on a établie avec les différents comités. Je le répète, parce que ce sont principalement nos partenaires, mais également avec les gestionnaires, la direction, direction qualité, la SAPA, etc. Cette valeur ajoutée, il faut mentionner que nous n'avons pas, nous, comme commissariat,
une expertise de contenu clinique ou administratif spécifique. On a une connaissance du droit et lorsqu'on examine les dossiers et en faisons l'analyse, c'est toujours dans la perspective de l'article 5 que je vous cite brièvement, offrir des services à la fois sur les plans scientifiques, humains et sociaux avec continuité et de façon personnalisée et sécuritaire. Et ce sont ces trois éléments particuliers pour lesquels nous pouvons travailler avec les démarches déjà peut-être entreprises avec un comité d'usagers, de résidents ou même avec le CAP et même avec des gestionnaires qui nous sollicitent par consultation pour avoir une idée comment on peut répondre à cette dimension de l'article 5 d'une façon rapide et ponctuelle. Il y a bien sûr, comme dans tout, des ondes grises, donc ça prend des échanges et puis beaucoup de collaboration. Notre expertise à nous comme commissariat, c'en est un qui a des moyens en termes, on peut offrir de l'information en termes du droit, mais aussi c'est qu'on a une expérience diversifiée au commissariat, des juristes, des cliniciens. Alors, on peut répondre par une panoplie de solutions possibles, passées par, bien sûr, les directions. Je vous parlais de l'article 5 avec la continuité. Par le biais de nos activités, on répond d'une façon ou d'une autre à un besoin des usagers. Et pour ce faire, une partie du travail donc, s'effectue en partenariat en assurant une continuité de la démarche qui a été établie peut-être en aval, qu'on termine en amont, voire même en jetant un filet de sécurité en collaboration avec les directions clés. Comme notamment, on travaille beaucoup avec la direction de la SAPA, qui est la direction de soutien à l'autonomie des personnes âgées, mais également avec la qualité. Et puis, on fait des retours avec le CAP, on fait des retours avec les comités des usagers dans la perspective de la confidentialité des dossiers et avec les autorisations des usagers. Madame Corbeil, je vais vous amener peut-être une dernière intervention après. Oui, tout à fait. Merci. Alors, je vous amène à un point clé qui est le comité de vigilance et de la qualité. C'est un des partenaires, le président directeur général, le commissaire, un représentant du comité des usagers qui utilise des tableaux de bord, des indicateurs, même ce qu'on appelle, nous, un tableau Mirador, qui est très imagé, mais qui détaille les motifs des insatisfactions. Et tout ceci, bien, ça permet aussi, c'est de la qualité, c'est un filet de sécurité, ça nous permet de parler des recommandations du commissaire et du protecteur du citoyen ou même des rapports du coroner. Et tout ça, sans oublier bien sûr le rapport annuel, mais tout le travail de conciliation de nos collègues, nos médecins examinateurs qui sont fort précieux dans nos démarches, que ce soit de conciliation ou de résolution dynamique. Ces volets de la statistique, entre autres, pour ces membres de comités de vigilance, ça permet de faire face aux défis qui sont d'ailleurs décrits dans notre tableau afin d'engranger les succès. Puis je donnerai juste un exemple rapidement, c'est-à-dire que, par exemple, dans un secteur d'activité, on a travaillé avec la direction des soins infirmiers pour permettre un changement dans un processus administratif. J'y ai même contribué en appelant personnellement des usagers lorsque c'était nécessaire pour dépanner le gestionnaire parce qu'on avait une entente. Madame Corbeil, je vais vous arrêter là-dessus. Oui. Je voudrais entendre tous les panélistes, puis on pourra revenir par la suite sur la suite des échanges. Merci, on va vous applaudir. Merci. Pour cette contribution-là. Merci.
Monsieur Bruno Petrucci, j'ai le goût de vous entendre sur la notion de complémentarité, parce qu'on a entendu parler donc de l'approche avec les usagers, de partenariat avec les usagers et leurs proches, les fonctions du comité des usagers, également le régime d'examen des plaintes. Donc, quelle est la complémentarité entre toutes ces instances? Comment on peut bien travailler ensemble? Écoutez, les recommandations tant du commissaire aux plaintes que des comités des usagers ou comités des résidents nous permettent de mieux comprendre le point de vue de l'usager pour vraiment tenir compte de ce qui est important pour eux. Parce que nous, avec notre lunette de gestionnaire, d'employé, et ainsi de suite, on a une idée, on a une expérience, mais on ne vit pas la même chose. Puis ces informations-là viennent nous aider à identifier lesquelles sont les plus importantes. Très bien. Je vais vous inviter à vous approcher de votre micro, s'il vous plaît, pour un meilleur son. Merci. Voilà. Ça nous permet de focusser sur des objectifs d'amélioration qui sont importants pour les usagers et non pas forcément pour l'employé, le gestionnaire ou l'organisation avant. Ça nous permet vraiment de penser à l'usager dans un premier temps. Je vous donne un exemple d'information qui nous est véhiculée par le commissaire aux plaintes. Depuis 2 ans, on constate chez nous qu'il y a une augmentation au niveau des plaintes relatives à les relations interpersonnelles. Donc, on s'est dit, on a échangé ce point-là à plusieurs reprises au comité vigilance qualité. Puis je vois des sourires, je pense que ce n'est pas juste chez nous. Donc, on a échangé beaucoup au comité vigilance qualité, là où il y a des membres du QC, pardon, là où il y a le commissaire aux plaintes. Puis on a convenu que c'était devenu ou ça allait devenir une priorité pour notre organisation. Parce que c'est important pour les usagers. Souvent, c'est ça la porte d'entrée. Puis lorsqu'on n'est pas bien accueilli, lorsqu'on reçoit un traitement interpersonnel pas tout à fait satisfaisant, bien, le reste peut aussi être difficile. Donc, on a mis sur pied une formation où on a travaillé avec un groupe pour mettre sur pied une formation. Puis on est allé là où le commissaire nous disait qu'il y avait le plus de préoccupations. Ça a été quelque chose de fort intéressant, qui a été très apprécié. Puis on est en train de le déployer dans d'autres endroits spécifiquement en lien avec de l'information qui provient du commissaire aux plaintes. Donc, moi, je suis en contact régulièrement avec le commissaire aux plaintes pour savoir qu'est-ce que lui, il entend que moi, je n'entendrai pas dans mes fonctions. C'est la même chose avec le comité des usagers qui a eu son colloque très récemment, qui a identifié une douzaine, 12 ou 16, si je ne me trompe pas, préoccupations, je ne les appellerai pas des enjeux pour l'instant, mais surtout des préoccupations qui comptent pour eux, puis comment est-ce que nous, en tant qu'organisation, on pourrait répondre à ça. Donc, notre défi maintenant, c'est de prendre ces préoccupations-là et les insérer dans nos actions qu'on fait au quotidien pour s'assurer qu'on les met devant nos propres préoccupations. Donc, la complémentarité vient à travers l'information qu'on peut recevoir de ces groupes-là. Quant au partenariat avec l'usager, bien, c'est l'opportunité idéale de construire ensemble. Écoutez, comme plusieurs d'entre vous, je suis dans le réseau de la santé depuis fort longtemps, puis je pense qu'on n'a plus la même vision du rôle de l'usager dans nos organisations. Ça nous permet vraiment d'avoir la lunette, de porter la lunette de l'usager, puis comprendre ce que cette personne-là peut vivre à travers son parcours de soins ou son parcours de service. Et puis, M. Ducarlo l'a très bien mentionné tantôt. Puis on ne veut pas non plus se fier sur 4-5 personnes qu'on va épuiser après un certain temps de toute façon. On veut des groupes de personnes qui sont capables d'intervenir un peu partout. Au niveau de du service expérience usagée, on l'appelle le bureau d'expérience usagée, on est en recrutement nous aussi, pas juste pour des employés, mais pour des bénévoles ou des usagers partenaires qu'on aide, que je vais me permettre de dire qu'on forme, pour pouvoir ensuite leur donner des mandats dans l'organisation pour nous aider à identifier des meilleures organisations ou des meilleurs parcours de soins, par exemple. En 2015, on a fait la cartographie de différentes trajectoires de soins et de services. Et puis, une en particulier a été très révélatrice, celle concernant la trajectoire sur le cancer, la lutte contre le cancer. Les gestionnaires, avec leur grande sagesse, ont mis des petits post-it un peu partout, goulot, c'est là, c'est comme ça. Puis l'usager est passé en arrière pour dire « c'est pas ça qui compte pour moi ». Que vous ayez du temps ensemble pour jaser, c'est pas ça qui compte pour moi. Pour moi, ce qui est important, c'est qu'on ne me demande pas mon nom 5 fois, parce que je vais penser que c'est vous qui êtes confus et non moi. Pour moi, ce qui est important, c'est qu'on me traite avec dignité dans ma maladie et dans mon intimité, les faiblesses que je peux vivre actuellement. Donc, on a vécu vraiment, on a eu une leçon humaine, je veux dire comme ça, à travers cette expérience-là qui a été fort enrichissante. Puis, je vous invite toutes et tous à le vivre, parce qu'un jour, si on a à vivre ça, on va comprendre encore plus pourquoi on nous donne ces informations-là. Pour ce qui est de la collaboration, comment est-ce qu'elle influence? Bien, c'est dans la collaboration qu'on y trouve vraiment une valeur ajoutée. Chacun apporte son expertise, son expérience, qui individuellement, peut-être, on n'aurait pas vu ou on n'y aurait pas réfléchi. Donc, la collaboration permet l'innovation, puis ça nous permet d'avancer en tant qu'organisation, mais en tant que personne aussi.
Je vous donne un exemple que j'ai vu ailleurs que je vais proposer dans mon organisation. Lorsqu'on a des séances d'orientation avec des nouveaux employés, on les assoit dans une salle, les gestionnaires, les employés, on les défile l'un après l'autre, on leur explique ce qu'on fait. Gestion de risque. Bon, il y a un cadre, il y a un formulaire, on remplit leur H à l'ordinateur, tout va bien. Ce n'est pas la même chose que lorsqu'on demande à quelqu'un qui a vécu une conséquence grave en lien avec une mauvaise médication ou un mauvais dosage de médicaments quelconque, qui explique aux gens devant lui ou elle les conséquences que cette personne-là a vécues, puis comment on aurait peut-être pu éviter cette conséquence-là, qui peut être permanente. Donc, sachez qu'une fois que les gens quittent la salle, puis souvent ce sont des jeunes un peu impressionnables, quand les gens quittent la salle, ben ça donne pas du tout, on se souvient pas de la même leçon, on retient pas la même chose. Donc, nos usagers partenaires sont pas mal plus importants qu'on le pense. Le partenariat, la collaboration, puis je dirais même l'engagement est très, très important, tant au niveau de notre organisation qu'au niveau de notre communauté. C'est comme ça qu'on fait du développement de nos communautés, c'est comme ça qu'on s'assure d'une saine, d'une santé de population lorsque chacun prend une certaine responsabilité de soi-même et prend une part de responsabilité de la collectivité. Donc, tout seul, les CIS et les CIUSSS, on ne peut pas faire ça. On a vraiment besoin des gens qui nous aident à le faire. Très intéressant. Ça complète votre présentation. Merci beaucoup. Merci. Dans vos propos, j'entends beaucoup l'importance. Vous avez parlé de la lunette de l'usager, vous avez parlé de recensement. Tantôt dans les présentations ce matin, les gens ont parlé de faire un vox pop. Vraiment, vous allez à la rencontre. Et l'idée étant de travailler en complémentarité. J'aurais le goût de me faire un peu l'avocat du diable et de vous demander qu'est-ce qui est difficile d'en travailler de façon complémentaire, de collaborer. Parce que la volonté est là, j'imagine qu'elle est partagée par beaucoup. Quand on arrive sur le terrain, dans le quotidien, quand on vient pour appliquer ça, M. DiCarlo, être, réunir les gens autour d'une table, qu'est-ce qui n'est pas facile? Ça, sur quoi il faut travailler? Il faut être conscient de ce qui est difficile. Donc, le micro à la droite. Il y a une question de culture là-dedans. On vient d'un milieu qui est beaucoup plus paternaliste dans le passé, puis on essaie d'avancer vers un milieu plus collaborateur. Donc, il y a tout un changement de paradigme à effectuer. Puis je pense que tout le monde doit y mettre un peu la main à la pâte. Soit au niveau des professionnels de la santé qui doivent être peut-être recevoir une formation, plus d'informations pour connaître c'est quoi le partenariat patient. Le ministère, évidemment, qui peut influencer l'encadrement de tout ça. Ça prend vraiment une volonté, une stratégie. Puis au niveau des patients aussi, de les former. Tu sais, on parlait tout à l'heure de recrutement des patients. Quand on recrute ces patients-là, il faut aller chercher des patients qui peuvent contribuer de façon efficace, puis qui ont un profil pour pouvoir s'activer au niveau de l'amélioration des soins. Donc, de pouvoir ne pas être intimidé autour d'une table et de pouvoir s'exprimer et apporter des solutions, parce qu'on veut être orienté vers les solutions dans tout ça. Les patients, c'est des parties prenantes qui font partie du système de santé au même titre que les autres joueurs. Et on veut les activer, ces patients-là. On veut qu'ils soient efficaces et on ne veut pas qu'ils soient juste là, dans le milieu, au centre, puis que tout le monde essaie de régler leurs problèmes, mais de les activer puis dire, OK, viens nous aider à réfléchir puis trouver des solutions avec nous autres. Ouais, j'imagine que c'est hyper valorisant quand on se retrouve dans ce rôle-là et qu'on nous écoute et qu'on s'intéresse. D'autres éléments de difficultés que vous rencontrez dans vos expériences respectives, Mme Tremblay? Pas ouvert? OK. Une des difficultés qu'on a, c'est avec l'arrivée, entre autres, ce qu'on vit, nous, c'est l'arrivée des usagers partenaires ou patients partenaires, entre autres, c'est de connaître le rôle de chacun. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir qu'on sache c'est quoi le rôle. On est prêt à travailler avec ces groupes de personnes. Par contre, on rencontre des difficultés à ce niveau-là, au niveau des patients partenaires, pour l'avoir échangé un petit peu avec monsieur tantôt. Je pense que c'est un des problèmes qu'on a pour qu'on ait toute la même connaissance, puis je pense que c'est un des problèmes. Donc, à quel moment ça commence, à quel moment ça s'arrête? Oui. Est-ce que c'est défini déjà, puis c'est une question de le comprendre, ou c'est une question de encore mieux définir les rôles de chacun? C'est encore mieux définir, c'est vraiment encore mieux, ou définir tout court. Très bien, OK, on est dans cette voie-là. Il y a une question de vouloir le faire, premièrement, il y a la volonté, mais il y a une question de définition aussi à l'intérieur de l'organisme, que tout le monde puisse s'intégrer
même au niveau de la qualité, du département de la qualité qui souvent joue un rôle important dans ça, c'est d'aider dans cette définition-là, puis d'informer le comité des usagers de c'est quoi les définitions du partenariat patient, parce que c'est la démystification qui souvent est importante là-dedans, parce qu'on pense que peut-être le patient partenaire va venir prendre un travail que nous, on faisait dans un comité d'usagers avant. Puis est-ce que ça veut dire qu'on est moins important? Est-ce que ça veut dire qu'on va jouer dans notre dos? C'est tout démystifier ces affaires-là, finalement, de voir que le partenariat patient, le patient qui est partenaire, est vraiment actif, apporte des solutions. Et peut-être améliorer la communication entre ce qui se passe avec les patients partenaires puis le communiquer au comité des usagers, leur dire ce qui se passe, leur dire qu'est-ce qu'on est en train de faire pour qu'ils soient beaucoup plus à l'aise. OK, ben c'est vrai, on voit qu'il y a des améliorations. On n'a pas besoin d'être là partout comme comité d'usagers. Intéressant. D'autres contributions? Oui, Mme Corbeil. Pendant ce temps-là, j'en profite pour vous dire, si vous souhaitez vous approcher d'un micro, je vais ouvrir la période d'échange tout de suite après. Alors, soyez bien à l'aise de vous rendre. Mme Corbeil? Oui, alors, l'un des enjeux, c'est certainement de se faire connaître et reconnaître par les instances. Lorsqu'on travaille en partenariat, il faut avoir la capacité d'écoute, d'échanger de la zone, aussi être dans une zone de compromis, la bonne volonté, effectivement, de travailler dans cette perspective, c'est important. Nous, comme commissariat, c'est un peu plus restreint, mais on accueille des gens qui ont une expérience de patients partenaires, qui ont participé à des comités qualité. Et nous, on a aussi cette expérience-là dans d'autres établissements. On est capable de l'accueillir. Ce qu'il faut dire, c'est que dans un commissariat, on accueille l'expérience du patient, ce qu'il a vécu, de la qualité perçue des soins qu'il a reçus ou qu'il aurait dû recevoir. Et c'est dans cette voie-là que je pense qu'on peut travailler ensemble en prenant en compte la diversité de toute l'information et le fait qu'on puisse y répondre dans la mesure du possible, d'une façon raisonnable, dans le contexte d'une transformation du réseau et des ressources disponibles. OK, intéressant. Monsieur Petrucci, sur les difficultés rencontrées? Moi, c'est plutôt sur un plan plus organisationnel. La réalité a beaucoup changé pour les comités d'usagers continus, les CUC. En Estrie, il y en a 14 et il y a près d'une trentaine de comités de résidents. Puis au-dessus de ça, chapeau, tu as un QC dans une organisation qui a 3 ans, avec 17 directions. C'est très complexe, puis c'est très difficile pour les gens, puis les CUC, de suivre cette cadence-là. À moi seul, ma direction, on pourrait les occuper 2 à 3 jours semaine facilement pour les consulter, pour faire avancer les dossiers, puis on réalise qu'on est en train des étouffer. Il faut trouver la bonne façon de les impliquer, puis au quotidien, pas juste vite, c'est pour demain, parce que on comprend qu'on a des calendriers qu'on doit faire approuver, il y a une séquence, mais ces gens-là, ce sont des bénévoles, puis ils ont toute la volonté du monde, mais on ne peut pas leur exiger la même chose qu'on nous exige nous-mêmes. Puis je pense qu'actuellement, c'est un frein. Donc, il faut trouver une façon simple de les impliquer. Puis j'ai peut-être pas tous les éléments de réponse, mais une des réponses, c'est de les appuyer davantage dans leur connaissance de la transformation du réseau. Je pense qu'il faut les amener plus vite à comprendre où est-ce qu'on est rendu dans tout ça. Ça les aiderait, ça nous aiderait aussi. Là. Sans aucun doute. Très bien. Madame Tremblay, vous vouliez ajouter quelque chose? La transformation du réseau nous a apporté peut-être certains reculs, nous, au niveau des comités des usagers continués. Juste un exemple au niveau de la... D'ailleurs, c'est pour ça que nous, on a fait un outil de recension, mais à l'inverse, nous n'avons plus de statistiques par établissement. C'est des statistiques au niveau des plaintes, au niveau les statistiques propres à chaque installation ne sont plus disponibles, en tout cas sont difficiles, ça demande beaucoup de forage avant de les avoir. Donc, c'est difficile pour nous de travailler à l'amélioration des services. Alors, nous, c'est une des difficultés. Avant, on pouvait avoir un sentiment d'appartenance dans notre comité des usagers à nous. Maintenant, on a un outil qui rassemble tout.
au niveau des difficultés rencontrées. Alors, pour nous autres, c'est difficile de s'y retrouver comme comité des usagers. Continuez. Merci. Je me permettais la question, parce que je trouve intéressant, c'est que par vos réponses, vous amenez des leviers, vous amenez des pistes de solutions, puis le forum se veut l'occasion de partager ça. Alors, merci. On va rester sur cette thématique et je vais aller en salle s'il y a des gens qui ont des interventions. Je vois une dame au micro numéro 2. Je vais vous inviter à vous nommer. Vous pouvez nous présenter l'organisation que vous représentez. Et par la même occasion, je vous invite à être bref dans vos interventions, s'il vous plaît, pour qu'on puisse entendre le maximum. Et si vous dirigez votre question vers quelqu'un, libre à vous. Bonjour. Oh, madame, excusez-moi. Je voyais que ça bougeait à côté de moi. Puis, c'est son invite, nos panélistes qui étaient avec nous ce matin, les présentateurs des établissements, à être sur scène. Donc, peut-être que certaines des questions ou des interrogations seront dirigées vers eux. Merci. On a des micros pour vous, d'ailleurs, pour les gens des établissements. Excusez-moi, je vais juste me rendre dans votre secteur pour être certain que vous avez... On en a un ici sur la table. Ah, puis juste à côté de vous, Mme Vallière, vous en avez un, vous allez pouvoir le décrocher. Excellent. Alors, Madame, au micro numéro 2, je vous écoute. Oui, bonjour. France Mongeau, du 6 des Laurentides. En fait, je voulais savoir, pour Madame, je ne sais pas votre nom, la deuxième, est-ce que vous parliez de l'article 5, offrir des services humains, est-ce que ça s'adresse seulement pour les CHSLD ou ça s'adresse à toutes les... C'est pour l'ensemble des usagers. D'accord. Alors, j'aurais une deuxième question pour Madame du CHUM, pour l'éthique. Moi, j'utilise en tant qu'usagère les services au CHUM pour la clinique de douleur. Et puis, quand ça l'a transféré la clinique de douleur de sur la rue Saint-Urbain là, au CHUM, ça l'a transféré d'une... C'est devenu une salle d'attente virtuelle. Il fallait s'enregistrer sur une borne électronique. La première fois, je ne le savais pas, donc j'ai rentré dans la salle. Et puis, j'attendais. Puis, il y avait deux réceptionnistes, une qui fouillait dans ses papiers, une qui était au téléphone. Celle qui fouillait dans ses papiers n'a jamais levé la tête pour me dire, ça a duré à peu près 10 minutes. C'est une cliente qui est venue me dire, « Ah, bien, il fallait s'enregistrer... Je trouve que c'est pas vraiment, en tout cas, c'est pas vraiment humain là. C'est vraiment une usagère qui est venue me dire, ben madame, faut aller s'enregistrer dehors. Puis il y avait pas de de bénévole pour le dire. Oui. Là. Ok. Merci madame. Oui, allez-y. Je vais y aller brièvement. D'abord, merci pour votre commentaire. Puis sachez qu'on accueille tous ces commentaires-là. On est vraiment en ajustement avec les nouvelles technologies qui sont dans notre bâtiment. Mais justement, pour faire suite à votre commentaire là-dessus, on s'est employé de manière assez intense à accompagner ces transformations-là parce que c'est vraiment des changements de pratique à la fois pour le personnel qui avait effectivement peut-être pas le réflexe de réorienter un peu la façon de s'inscrire puis de signifier l'arrivée par les bornes d'enregistrement. Et c'est pourquoi dans l'ensemble de nos services, on a mis en place justement des bénévoles et même le comité des usagers a aussi participé à accompagner les usagers à travers tout ça. Peut-être qu'il y a eu quelques défaillances, puis là-dessus, on est en ajustement, je vous en conjure, là. Mais effectivement, tout à fait, on s'applique à rendre ça, malgré tout, c'est vrai qu'il y a plus de machines, mais rendre ça tout à fait dans un environnement tout à fait humain. Je ne sais pas si Mme Brodeur... Merci bon. Beaucoup. Puis, merci, Madame. Bonjour. Je vais aller à un autre micro. Oui. On pourrait revenir un petit peu plus tard. Il y a plusieurs pas personnes problème. Au micro. Je vous remercie beaucoup. Madame, s'il vous plaît. Micro numéro 3, on va vous l'ouvrir à l'instant. Okay. Très bien, vous pouvez y aller. Bonjour. Mon nom, c'est Liette Demers. Je suis présidente du comité des résidents du CHSLD La Pieta à Gatineau. Je ne sais pas à qui adresser ma question. C'est pour savoir... si on pourrait être reconnu, si les membres du comité de résidents pourraient être reconnus comme bénévoles. Ici, on parle beaucoup qui sont des bénévoles. Oui, on donne notre temps et tout ça, mais on n'est pas reconnu comme bénévole à cause d'un règlement qui dit qu'on ne l'est pas. Alors, je voudrais savoir à qui est-ce que j'adresse la demande pour faire changer le règlement. Très bien, on entend la question. Est-ce qu'il y a des gens ici qui sont en mesure de répondre? Sinon, on peut donner une réponse à un autre moment.
La question est bonne. Oui, M. Petrucci, vous avez... Je vous invite, Madame, à poser votre question à nouveau dans votre organisation, puis je comprends tout à fait votre préoccupation par rapport à ça. Chez nous, les membres du comité des usagers et des comités des résidents le disent toujours, nous aussi, on est des bénévoles et on veut être reconnus en tant que tels. Et puis, on l'a compris, en tout cas, là, je peux parler pour nous, on l'a compris, et maintenant, on s'assure que les membres des comités d'usagers participent aux activités des bénévoles lorsqu'on a ces activités-là. Si je peux ajouter, il y a peut-être un élément, une piste, c'est que sur un comité d'usagers, les gens sont élus, hein, c'est ça? Donc, quand les gens sont élus, ils ont une fonction officielle, etc. Et le lien avec le département des bénévoles n'est pas direct. Par contre, on peut s'inspirer de plusieurs choses que le département des bénévoles font pour les associer et les intégrer au niveau du comité des résidents ou un comité des usagers. Nous, au CUSUM, je crois qu'on a établi un lien plus précis. Il y en a qui, par exemple, vont être soit à la fois membres d'un comité d'usagers et membres comme bénévoles dans le département des bénévoles. Ils vont faire les deux. Mais vous avez raison, il y a peut-être un élément pour arrimer ces deux éléments-là. Très bien. Merci beaucoup, Mme Demers. Parce qu'on donne beaucoup de notre temps comme membre du comité des résidents. Tandis que dans les bénévoles, bien, il y en a qui font juste de l'accompagnement une fois de temps en temps. Tandis que nous autres, on travaille régulièrement. Mon comité est très actif, donc on donne plusieurs heures. Merci pour le témoignage. Oui, je vous remercie. Micro numéro 4, madame, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Donc, mon nom est Camille Desforges de la Confédération des organismes de personnes handicapées du Québec. Moi, je voulais faire un petit retour sur l'accessibilité universelle du CHUM. L'article 1.2b de la loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées prévoit qu'il faut favoriser l'autonomie des personnes handicapées et leur participation à la prise de décisions individuelles et collectives les concernant, ainsi qu'à la gestion des services qui leur sont offerts. Donc, on comprend que les parcours sans obstacle auraient dû être effectués directement par les personnes ayant des limitations fonctionnelles et non comme ça a été fait, comme ça a été présenté tout à l'heure. Puis aussi, de plus simplement ajouter que l'article 61.3 de la même loi prévoit également que le processus d'approvisionnement lors de l'achat ou de la location de biens et services doit aussi être accessible aux personnes qui ont des limitations. Donc, l'accessibilité universelle du CHUM aurait dû être faite dès le départ et non dans des ajustements subséquents. On comprend que l'implication du comité d'usagers, c'est bien, mais il ne faut pas oublier non plus les personnes qui ont des limitations fonctionnelles. Merci. Tout à fait. Merci pour votre commentaire là-dessus. Je veux quand même dire, on a passé très rapidement, considérant le temps qu'on avait, mais il y a eu des consultations qui avaient été faites aussi au préalable. Il y a certains éléments qui ont été inclus, puis de toute évidence, d'autres qui restaient à ajuster là-dessus. On poursuit notre travail effectivement aussi, puis on a un organisme qui s'appelle Alter Ego, qui a travaillé également avec nous sur l'ensemble de ces mesures-là, avant, pendant, après. Je ne sais pas, Mme Brodeur, si vous avez d'autres commentaires? Je vous remercie. Merci, Mme Desforges. J'y vais en ordre d'apparition au micro, alors je vais vous donner le micro à monsieur au micro numéro 3, s'il vous plaît. Bonjour, Jean-Pierre Prévost, QCI, Sius Estrichus. Moi, c'est à monsieur Di Carlo. Je voudrais m'adresser. Je vous remercie de ce que c'est que vous avez éclairé dans ma lanterne par rapport aux patients partenaires. Mon inquiétude et l'inquiétude chez nous, c'est que le patient partenaire qui est choisi par l'institution, c'est qu'il n'y a pas de lien avec ou le comité des usagers ou le QCI. Vous avez mentionné que ça serait peut-être quelque chose à développer, si je ne m'abuse. Aussi, je connais personnellement des personnes qui ont eu des expériences, puis un de ceux-là a été partenaire patient. Et c'est quelqu'un qui a une transplantation de foie. Ça fait que c'est une opération qui est majeure. Mais je connais aussi quelqu'un qui a eu des difficultés avec la médicamentation qui avait été présentée par le médecin. Puis ça pourrait être un bon patient partenaire,
Sauf que l'inquiétude, c'est que le choix de l'institution aille vers ceux qui disent comme eux et pas nécessairement ceux qui auraient des revendications spéciales. Ça fait que j'aimerais vous entendre un peu là-dessus. Merci beaucoup. Merci pour votre question. Oui, ça revient souvent. Puis je pense que quand on commence dans les différents organismes à intégrer le partenariat patient, il faut débuter quelque part. C'est sûr que l'institution, le département de la qualité est souvent intégré dans la sélection, aller recruter des patients. Mais les patients peuvent être recrutés, peuvent être référés par des membres du comité des usagers aussi. Ils peuvent venir de différents milieux. Ça peut être d'autres organismes de l'extérieur, par exemple, qui c'est des regroupements de patients qu'on peut l'épuiser là-dessus. Mais éventuellement, je pense que dans la progression de l'intégration des patients dans un organisme, il faut que les patients soient recrutés en tandem avec un professionnel de la santé et un patient. Donc, les deux soient assis et puis qu'il y ait un patient qui recrute, qui fait partie du panel de recrutement. Et au début, il faut aller chercher les patients. Les premiers patients, c'est toujours plus difficile. Là. C'est qui va nous aider à faire ça? Mais une fois qu'on l'a fait, c'est qu'il faut faire ça en tandem, ensemble, parce que c'est là que vient la vraie collaboration et le partenariat. Ce n'est pas juste l'institution qui le fait. Mais une fois que le patient est choisi pour une activité quelconque, il y a des évaluations qui doivent être faites pour voir est-ce que c'est efficace ce qu'on est en train de faire, est-ce qu'il y a une valeur ajoutée, puis comment est-ce qu'on fait pour bonifier, est-ce qu'il y a de la formation à faire, soit pour l'équipe de soins de santé et pour le patient aussi, pour l'aider à mieux s'intégrer. De bien informer le patient quand il est autour de la table, de ne pas utiliser des acronymes, d'utiliser le prénom pour qu'on enlève tous les titres et les chapeaux pour que les gens s'intègrent bien autour de la table et puis qu'on puisse s'exprimer plus facilement et plus directement. Donc, il y a plein de petites choses comme ça qu'il faut faire pour arriver à des résultats majeurs. Merci beaucoup. Bonne pratique. À tout hasard, Mme Tremblay, sur le sujet, avez-vous des éléments sur lesquels vous souhaitez partager? Les préoccupations de monsieur, nous les avons aussi, mais comme je disais tout à l'heure, je pense qu'on a tout à gagner à travailler en collaboration avec le Bureau de collaboration partenariat patient. Et puis, comme je disais tantôt, je pense que la définition claire et précise de qui fait quoi, ça va être très aidant. Dans le fond, on travaille toutes et tous pour la même chose, c'est la qualité des services au niveau des usagers. Merci pour la question. J'en profite peut-être pour souligner, je ne l'ai pas mentionné d'entrée de jeu, mais toutes vos contributions aujourd'hui sont prises en note par les gens du ministère. Alors, les commentaires sont bien entendus, ils pourront être réécoutés. Monsieur au micro numéro 2, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Mon nom est Christian Chabot. Je suis un nouvel arrivant dans le comité des usagers de l'ISUPQ depuis mardi dernier. Mon intervention avec la santé, en fait, en tant que patient, a commencé en 1994. Donc, ça fait plus de 25 ans que je suis dans le réseau de la santé, près de 25 ans. Et je suis un patient partenaire à la base, comme tel. Donc, je participe à beaucoup de projets de recherche, beaucoup de projets cliniques, amélioration continue, les relations. Je donne des conférences dans les facultés de médecine, faculté des sciences infirmières et pharmacie sur la relation entre le patient et, enfin, le citoyen et le professionnel de la santé. Donc, la question que je voulais poser, c'est à monsieur patient partenaire, c'est vous. Dans le fond, ce que je voulais savoir, c'est qu'en étant un patient partenaire, est-ce que je peux être efficace dans un comité d'usagers aussi? Dans le fond, l'objectif, c'est de créer, de ce que vous parlez depuis tout à l'heure, créer une relation entre les deux. Puisque à l'ICPQ, j'ai co-construit avec le comité de l'éthique et de la qualité, donc en tant que patient partenaire, le bureau d'usagers. Et donc, pour moi, d'emblée, le premier partenaire important de ce bureau d'usagers-là était le comité des usagers. Là, maintenant, en étant dans le comité des usagers depuis mardi dernier, je vais être capable d'éduquer les gens à, ben, dans le fond, à comprendre c'est quoi le patient partenaire comme tel. Est-ce que vous trouvez que ça fait du sens ou pas? Ou... C'est une très bonne question qui revient, finalement. Parce que un patient, c'est un patient qui est sur un comité d'usagers ou qui est patient partenaire. Il a une expérience aussi.
est-ce qu'un patient peut porter les deux chapeaux? Je dirais que pas nécessairement. Il y en a qui peuvent le faire, il y en a qui ne sont pas capables de le faire. Il y en a qui sont plus dans un comité d'usagers, qui sont peut-être un peu plus militants ou plus revendicateurs ou plus, disons, représentatifs de la collectivité, puis qui font un bon travail là-dessus. Mais au niveau de s'asseoir et puis de décortiquer des choses et puis d'analyser, de faire des synthèses dans un groupe, sont peut-être moins forts là-dessus. Puis il y en a d'autres qui ont la force inverse. Donc, ce n'est pas tout le monde qui peut le faire, mais il y en a, évidemment, qui peuvent le faire. Ils peuvent être à la fois membres d'un comité des usagers et être patient partenaire. Moi, je l'ai fait. Puis il y en a d'autres qui peuvent le faire aussi. En même temps. C'est ça, OK. Oui, mais il faut savoir comment porter les deux chapeaux et comment passer d'une activité à l'autre et d'une responsabilité à l'autre. OK. Merci beaucoup. Merci, M. Chabot, pour la question. Cher PDG, si vous souhaitez intervenir également, vous pouvez me faire signe. Vous avez également l'occasion de contribuer à la discussion. Et je vais aller au micro numéro 2, s'il vous plaît, monsieur. Bonjour, mon nom est Romain Rigage. Je viens de Parkinson, Canada. J'aimerais vous poser la question, comment assurez-vous la représentativité des populations les plus vulnérables au sein des comités d'usagers et des patients partenaires? Je pense notamment aux populations qui ont des troubles cognitifs. Bonne question. Madame Tremblay, avez-vous un élément de réponse? Oui. Eh bien, nous, au comité des usagers, il y a la possibilité aussi que les proches puissent représenter la personne qui a des troubles cognitifs, parce que c'est quand même quelqu'un qui connaît la problématique. Pour les autres populations vulnérables, moi, je peux vous dire que nous, dans notre région, on s'assure d'avoir une représentativité de toutes les missions possible. Entre autres, nous, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on a le Centre de réadaptation aux déficiences physiques et Centre de dépendance qui sont au sein de notre comité des usagers à nous. Donc, on a quand même, on embrasse quand même beaucoup et on s'assure même d'avoir, dernièrement, on a réussi à avoir quelqu'un qui avait utilisé les services en santé mentale qui vient de se joindre à nous. C'est pas facile à trouver, mais il y en a qui, quand on se donne la peine, on est capable d'aller chercher. Puis je pense que c'est le rôle des comités des usagers d'avoir la plus grande représentativité de toutes les missions et les besoins des clientèles vulnérables. Merci beaucoup. Merci à vous. Micro numéro 1, s'il vous plaît. Oui, il sera ouvert, c'est bon. Bonjour, mon nom c'est William Courville. Je travaille à un CHSLD. Ma question c'est pour M. Petrucci. C'est à propos de vos activités pour mieux comprendre les besoins ou préférences des usagers. Vous avez parlé comme d'une activité avec les cadres, ils mettaient des post-it. Je voulais juste avoir comme plus de précision à propos des activités que vous avez faites. Et c'était quoi les difficultés que vous avez eues? L'exemple que j'ai donné concernait la façon dont on fait une cartographie des activités à l'intérieur d'un parcours de soins, je vais dire comme ça. Puis l'exemple que j'ai donné était en cancérologie, parce qu'on l'a fait à ce niveau-là, on ne l'a pas fait en milieu CHSLD. La notion de post-it, en fait, c'est de voir comment est-ce qu'on a quels sont les soins qui sont offerts, puis comment est-ce qu'on les offre dès l'arrivée de la personne. On identifie toutes les étapes, toutes les tâches, qui y participent. Puis, est-ce qu'il y a des enjeux ou il n'y a pas d'enjeux du point de vue de l'usager et du point de vue des employés de l'organisation, ainsi de suite? L'usager, quand il vient voir ça, lorsqu'il participe à ça depuis le début, bien, lui ou elle a sa perspective des choses, puis que des fois, on constate qu'on n'a pas les mêmes perspectives. Puis, c'est à ce moment-là que c'est très enrichissant d'avoir l'usager nous dire « Non, 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 c'est pas ça que je m'attends dans mon parcours de soins. Je vous propose autre chose. » Puis, souvent, c'est des petites choses auxquelles on n'aurait peut-être pas pensé ou auxquelles, on a tous des réflexes, là. Souvent on saute à une solution, mais des fois on ne pense pas au problème, puis ça nous aide beaucoup à reculer un peu plus, un peu mieux pour mieux avancer par la suite. Donc la participation de l'usager à définir le vrai problème, puis à définir la vraie solution est très enrichissante là, dans toutes les trajectoires. Merci. Merci pour la question, c'est intéressant. Ce que vous amenez, c'est même tous les gens à réfléchir à la solution. C'est une chose de déclarer une situation difficile, mais quelle solution on peut tous ensemble amener à la table? Madame, bonjour, je pense. Oui, c'est ça. Je veux savoir, selon le code du bâtiment, quand on fait une toilette pour handicapés, ça ne va pas de soi de mettre un bouton poussoir pour ouvrir la porte?
Ça me fait plaisir de vous répondre. Non, pour l'avoir lu, malheureusement, il n'en est pas ainsi. Alors, on parle d'une poignée à bec de canard. Et je pense que il y a lieu que ça soit revisé, il y a lieu que ça soit amélioré, il y a lieu qu'on est rendu en 2018, que ça soit actualisé, et principalement pour les hôpitaux. Mais oui. Actuellement, dans le Code du bâtiment, ce n'est pas requis. Ah, non. Soir. Parce que là, au 15e étage, en tout cas, il y en manque. On est d'accord, c'est pour ça qu'on a fait la tournée. Et on continue. Parfait, merci. Très bien, je vais aller au micro numéro 2 pour madame, s'il vous plaît. Bonjour, Noël Legoyet, du comité des usagers du 6 de la Naudière. On vient de parler beaucoup du patient partenaire du comité d'usagers. Je crois à la place des deux instances et j'apprécie beaucoup la collaboration dont monsieur dont il a parlé. Mais est-ce que ce ne serait pas pertinent qu'on ait on a un cadre de référence, le comité d'usagers, et je sais que pour le patient partenaire, il y a tout un modèle aussi pour de participation du patient partenaire, mais on n'a jamais fait un cadre qui dit comment ces deux parties-là pourraient travailler ensemble. Et je trouve qu'il devrait y avoir une réflexion qui se fasse, à savoir comment l'identité de ces deux-là peuvent travailler ensemble, mais que le sentiment d'appartenance à un à l'autre ne vienne pas en exclure un. Parce que je regarde chez nous récemment, on a fait la recommandation qu'on voulait participer à une activité, puis il nous a dit, bien, on a un patient partenaire. Alors, j'ai expliqué le rôle des deux, c'est accepté, mais ce n'est pas évident. Alors, ce serait peut-être intéressant que de prôner le partenariat, mais dans un cadre de référence qui présente les deux apports, les deux contributions. Merci. C'est un bon point. Et malheureusement, le panel n'est pas habilité à répondre. Par contre, le ministre et ses collègues sûrement pourront adresser ça plus tard. Il y a plusieurs, oui. Puis, pas de gêne pour les monsieur le ministre ou les PDG de réagir sur certains propos puis amener des compléments d'information. Là. Faites-moi un petit signe, puis ça me fera plaisir de vous donner la parole. Merci. Micro numéro 1, monsieur. Alors, mon nom est Jean-Claude Caron. Je suis assez nouveau dans le système. Avant d'intervenir directement, je me suis toujours posé une question depuis les deux ans où je suis secrétaire de mon comité des usagers. C'est quoi un comité des usagers? Et étymologiquement, c'est celui qui utilise les services de l'établissement, de la bâtisse ou de l'institution, peu importe. Et au cours des interventions, je pense que M. Decalo a parlé de patients partenaires et ça a allumé quelque chose un petit peu. Et avant de continuer, j'ai une question très indiscrète à vous poser. La plupart des personnes qui sont ici, qui représentent des comités des usagers, il y en a peut-être qui sont ici à d'autres titres, mais parmi les personnes qui représentent les comités des usagers, combien il y en a qui sont réellement des usagers, c'est-à-dire qui demeurent dans l'établissement là, 24 heures par jour et qui sont en contact avec les personnes qu'on appelle patients ou usagers? Je ne vois pas beaucoup de mains levées. Et ça confirme peut-être un petit peu ce que l'animateur ou le président, il y a quelques instants, mentionnait, que les patients, moi j'appelle ça des usagers, sont peut-être pas les meilleures personnes pour faire partie du comité. Et ça m'inquiète. Parce qu'un comité des usagers, où il n'y a pas d'usagers qui sont sur le comité, je trouve ça curieux. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous autres, parce que moi, je suis dans un CHSLD privé, non conventionné. On a attaché, disons, aux établissements physiques, les bâtisses, une section qui s'appelle le RPA, résidence pour personnes âgées. Il semble-t-il, d'après la législation, que ces gens-là, on les appelle des résidents. Les autres, on les appelle des usagers.
Alors, dans notre structure, nous autres, il y a deux quarts de personnes, il n'y a pas de division. Tout le monde appartient au même groupe, les mêmes services, le même personnel. Et le comité des usagers comprend 5 personnes. Il y en a qui sont du côté, disons, ce qu'on appelle le RPA, qui ont besoin de moins de services, qui sont beaucoup plus autonomes. Il y en a d'autres qui sont dans le CSHSLD, qui ont besoin de beaucoup de services. Et donc, il n'y a pas de problème. Alors, je ne sais pas comment vous voyez la situation. Un comité des usagers, où il n'y a pas d'usagers qui sont dans le comité, uniquement des personnes qui sont de l'extérieur, qui viennent représenter les usagers. Merci, M. Caron, pour l'intervention. M. Petrucci, avec votre vision, est-ce que je peux vous inviter à réagir à ces propos? On a constaté, je vais commencer par les comités de résidents. Il y a quelques années où j'étais, j'ai constaté que de plus en plus, on avait de la difficulté à recruter, premièrement, des résidents sur le comité des résidents de par leur situation. Hein? On comprend que les pertes d'autonomie s'accélèrent rapidement, puis on voit qu'il y a des vacances, je vais dire comme ça, au niveau des comités de résidents, parce que les personnes elles-mêmes ont de la difficulté ou sont carrément incapables de participer à ce qui est attendu dans le mandat du comité des résidents. Et puis souvent, malheureusement, il n'y a pas les familles pour les soutenir dans ces situations-là. Donc, les comités de résidents, c'est une réalité. Les comités d'usagers, bien, on a tous été usagers, je pense, quelque part dans nos vies. On a tous eu une expérience, puis certains, malheureusement, beaucoup d'expérience dans le réseau de la santé et des services sociaux, et d'autres, peu. Donc, quelqu'un qui a eu beaucoup d'expérience, à mon avis, se qualifie comme une personne qui peut participer à un comité d'usagers, même s'il n'est pas en soins actifs ou en service actif présentement. L'autre difficulté serait si on avait à uniquement retenir les gens qui sont en soins ou en service actif, ben le taux de membership changerait souvent. On changerait souvent les photos sur nos sites web et ainsi de suite. Ça serait très, très difficile d'installer une certaine stabilité. Donc, ce qu'on veut, ce sont des gens qui ont une expérience et une compréhension du réseau de la santé, qui ont une expérience, une compréhension de ce que les usagers vivent et aussi une capacité de représenter ces gens-là dans la pour exprimer les droits qu'ils ont à l'intérieur de la loi. Donc, c'est très difficile. Ça serait très difficile d'avoir uniquement des gens qui sont activement des usagers dans notre organisation. Très bien, je vous remercie. Je vois M. Fortin qui souhaite réagir. J'ajouterais que dans les CHSLD, en tout cas pour nous, les rencontres de familles, c'est vraiment le lieu où les comités de résidents sont capables de faire du recrutement de familles très impliquées. C'est des familles qui sont là au quotidien, matin et midi, midi et soir, il y en a. Et ils sont parfois, eux, plus capables, pour des raisons de santé, d'être la voix de nos résidents. Et les rencontres de famille sont le lieu où il y a vraiment du recrutement qui se fait à ce moment-là. Très bien. Je vous remercie. Oui, Mme Corbeil. En fait, je renchéris avec les propos de M. Fortin. Ce qu'on constate comme commissariat, c'est qu'il y a effectivement des enjeux concernant la transmission d'informations, particulièrement là, sur le régime d'examen des plaintes et puis les commentaires ou les insatisfactions que les gens veulent manifester ou tout ce qui pourrait être positif. Alors, c'est sûr que c'est souvent les représentants et puis on constate l'évolution là, de la clientèle ou un certain déclin est de plus en plus prononcé. Alors, ce sont des enjeux là, pour, je pense, l'ensemble des comités et des représentants pour tout ce qui est le commissariat. Merci. Merci. On va s'arrêter ici pour la période d'échange. Je veux vous remercier, tout le monde, d'avoir apporté vos meilleures pratiques, vos bonnes idées, votre expérience. C'est fort apprécié. Je vous laisse le soin de regagner la salle. J'inviterai Mme Jobin dans un instant à prendre le relais pour le prochain segment de la matinée. Ce n'est pas terminé, mais comme je ne reviendrai pas avant l'heure du lunch, j'en profite déjà pour vous dire que les présentations vont reprendre à 13 heures. Donc, assurez-vous de revenir tout le monde en salle ici un peu avant pour qu'à 13 heures, on puisse débuter. Et le dîner est libre à chacun de se diriger vers le restaurant de votre choix. On me dit que certains restaurants vous attendent dans le secteur. Alors, si vous avez des questions, on pourra vous éclairer. Mais voilà, pour le volet logistique. Je vous remercie. Je vais inviter Mme Jobin à prendre le relais, s'il vous plaît, pour la prochaine portion.
Merci beaucoup, Mme Lehoux. Un grand merci donc à nos présentateurs, nos présentatrices, à nos panélistes de ce matin. Merci pour ces expériences très concrètes, c'est ce qu'on veut entendre, de grandes avancées pour le réseau de la santé et des services sociaux qui place les usagers au centre de nos interventions et qui confirme toute l'importance de la communication, vous en avez parlé beaucoup, et de la concertation entre les établissements et les comités des usagers et les comités des résidents. Pour clore cet avant-midi riche de partage et d'enseignement, M. Barrette va vous adresser la parole. Après le dîner, je serai de retour pour présenter le deuxième bloc d'intervention qui porte sur les CHSLD. Mais pour l'instant, je laisse la parole à M. Barrette. Et bon dîner à tous. Alors, rebonjour. C'est plus important, les mots que j'ai prononcés ici à ce moment-ci du forum, que ceux de mon allocution, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, là, mais les choses sont en train de changer. La réforme que l'on fait est une réforme qui est une réforme d'abord et avant tout de proximité, je l'ai dit, des centaines de fois. Il y a des gens qui en doutent. Mais la proximité ultime, c'est vous, les usagers, les résidents. Et s'il y a un groupe qui doit être entendu, c'est bel et bien vous. Alors, dans nos forums, vous prenez plus de place. Vous allez encore prendre de la place. Des forums comme celui-ci, je souhaite qu'il y en ait d'autres. Et dans les forums subséquents, je souhaite aussi que vous ayez beaucoup de place. Il y a beaucoup de choses qui ont été... Oui, allez-y, vous avez bien raison. Je ne me souviens pas lequel des panélistes a mentionné le mot, mais il était tellement vrai, je ne sais pas si c'était M. DiCarlo ou M. Petrucci, mais il y a une chose qui a été dite qui est vraie. Comme vous le savez, je viens du milieu médical. Hein? Et il y a quelqu'un qui a dit « le milieu de la santé, c'est un milieu paternaliste ». Ben oui, c'est vrai. C'est un milieu paternaliste, c'est vrai. Les médecins sont des scientifiques, ils ont une grande formation, ils ont des responsabilités qui sont très importantes, il y a un niveau de stress, et ainsi de suite. Mais c'est vrai que, historiquement, le milieu de la santé est paternaliste. C'est un fait. C'est un fait aussi que la société change. C'est un fait aussi que l'information aussi change, l'accès à l'information. C'est un fait aussi que les citoyens, qu'ils soient des citoyens patients ou non, ou résidents ou non, dans nos institutions, sont plus informés, plus aptes, non, aptes n'est pas le bon mot, plus enclins à s'exprimer parce qu'il y a plus de véhicules. On vous donne un véhicule supplémentaire par nos forums. Mesdames et messieurs les PDG, bien, c'est là où on est rendu aujourd'hui. C'est un mouvement. Je vais utiliser un anglicisme, c'est un work in progress, dans lequel les patients seront de plus en plus partenaires. Et j'insiste sur ces mots-là. Il y a des choses qui ont été dites ce matin, hein, puis c'est des bonnes choses. Je vais en reprendre quelques-unes. Ce n'est pas une relation de militantisme ou de revendication qui est en train de se développer. C'est une relation de partenariat, de dialogue, d'écoute, qui amène les gens à prendre des positions, modifier des façons de faire. On doit passer d'un paternalisme, mais en fait, on est en train de passer d'un paternalisme à une collaboration. Puis une collaboration, ça demande à l'autre partie, je parle de la partie institutionnelle, plus officielle, je ne fais pas référence à quelques groupes que ce soit dans nos organisations, mais ça demande à ce qu'à un moment donné, on ait l'humilité de dire, « Ouais, peut-être que c'est vrai que quand je vais dans la chambre d'un patient, puis j'y vais quatre fois, ça prend la cinquième fois pour me rappeler de son nom. » C'est vrai, là, c'est M. Petrucci, je pense, qu'il avait dit ça. C'est vrai. C'est vrai, ça existe, ça. Il faut le reconnaître. Il y a des choses qui ont été dites, et on a traité par le fait même d'éléments majeurs. Que voulez-vous? Vous voulez des soins de qualité. Vous voulez aussi de la sécurité. Vous voulez des aménagements pour que votre expérience... Imaginez, là,
Est-ce qu'on aurait parlé du mot « expérience en santé » il y a 20 ans? L'expérience, avant, là, c'était des voyages, c'était des parcs d'amusement, c'était un spectacle. Là, ça, c'est un terme qui est rendu dans le système de santé et c'est normal. Parce que c'est votre vie. Vous payez des impôts et des taxes. À un moment donné, il est normal pour vous de pouvoir être entendu. Il y a une différence, je vais faire une petite parenthèse, entre certains mots qui deviennent un jargon, le partenariat patient, le patient partenaire. Patient partenaire, c'est une entité en soi dans le monde universitaire, de l'enseignement pour le moment. Partenariat patient, c'est de dont on parle ce matin. Le patient qui est entendu, qui vient s'exprimer. Qui vient s'exprimer pour... Et ça, c'est tellement comme ça tout le temps. Moi, dans le passé, dans mon expérience personnelle, là, vous ne savez pas, mais j'ai été à peu près... J'ai piloté un paquet de comités dans les hôpitaux où je travaillais et j'ai été à la tête du comité d'évaluation des plaintes, mais du côté médical. J'ai fait ça dans mon hôpital. J'ai tout fait, le comité. J'ai rarement vu, là, quand je dis rarement, je le souligne à gros traits, j'ai rarement vu des citoyens, des familles, des patients venir porter une plainte pour punir quelqu'un, pour accuser quelqu'un. J'ai vu toujours des gens qui venaient pour améliorer les choses. La phrase que vous avez tous et toutes entendue, peut-être même dite, « on ne veut pas que ça arrive au prochain ». Bien, c'est ça, un partenariat entre le réseau et les citoyens. C'est ça, c'est exactement ça. Quand Mme Corbeil disait, là, que, elle disait à peu près ces mots-là, elle le disait elle-même, elle est comme ça aux plaintes, et les gens ne veulent pas venir chercher des punitions. Il y a des cours pour ça. Mais sur le terrain, là, au quotidien, ce que vous recherchez, ce que la majorité, la quasi-totalité, en réalité, des citoyens recherchent, ce sont évidemment des façons d'améliorer les choses. Puis c'est le côté humain de l'affaire. Et dans la réforme que l'on a mise en place, on a mis en place une réforme pour faire en sorte que vous ayez une voix sur les conseils d'administration, pour que vous, les PDG, entendiez ces gens-là. Je veux même faire un aveu ici. Là. Je peux vous dire qu'à la naissance des six, là, avec la réforme, il y avait une certaine hésitation, on va dire comme ça, du côté des administrations. Je ne mets pas en cause les gens qui nous accompagnent. Je parle d'avant les nominations. Ouais, mais là, écoutez, côté d'usagers... Ils n'ont pas la compétence. Bien oui, vous l'avez, la compétence. Vous avez la compétence de votre expérience à laquelle s'ajoutent vos compétences à vous, de différentes catégories. Et il faut vous entendre. Quand j'entends Mme Tremblay me dire que les statistiques, là, je m'adresse à vous directement, les PDG, quand j'entends Mme Tremblay nous dire que les statistiques par installation ne sont pas disponibles, inacceptable. Il n'y a juste pas d'autre mot. Alors, j'en profite pour vous enjoindre à faire en sorte que les comités, les QC, et, parce que c'est dans les centres intégrés qu'on voit cette problématique-là, aient à leur disposition les outils nécessaires pour travailler. On est là aujourd'hui. On est dans une période de transition où, clairement, vous l'expérimentez, vous le vivez, il y a un changement. Vous avez une voix. Vous avez des représentants, à mon niveau, moi en particulier, qui souhaitent que vous soyez entendu dans une dynamique de dialogue. La dynamique de M. DiCarlo. M. DiCarlo, vous avez été, je ne sais pas où ce que vous êtes, là. Vous avez été fantastique dans vos interventions. Parce qu'un patient, un partenaire, un patient qui a un partenariat avec l'institution va indiquer des choses à améliorer tout le temps. Ce n'est pas de la revendication, ce n'est pas des procès, c'est un dialogue qui est au bénéfice de tout le monde. Le meilleur exemple que j'ai eu de ça aujourd'hui, je l'ai eu aujourd'hui, puis je vais vous le dire. Une dame, Mme Philibert, où êtes-vous? Voilà, Mme Philibert là-bas, qui est présidente du comité des usagers du CHU de Québec, m'indiquait il y a quelques minutes à la pause que maintenant le CMDP du CHU de Québec. Alors écoutez bien ça, vous savez c'est quoi un CMDP? C'est le Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens d'hôpital. Peut-être ne saviez-vous pas que le rôle premier d'un CMDP, ce n'est pas de faire de la négociation ni de la revendication pour telle machine, tel budget, c'est de s'occuper de la qualité de l'acte médical. Il y a bien du monde qui ne réalise pas ça. Il y a même des CMDP qui ne le réalisent pas. C'est vrai. Alors, et là, j'ai appris à la pause que
au CHU de Québec, le CMDP, après avoir interagi à la demande du comité des usagers que préside Mme Philibert, de faire sa priorité numéro un dans la prochaine année, l'expérience patient. Ça, c'est de partir d'un système de santé paternaliste à aujourd'hui qui nous emmène vers ailleurs. C'est ça qu'on fait, là. Puis c'est ça que vous faites ici ce matin. Et je tiens à remercier d'abord tous les panélistes, tous les gens du réseau qui sont venus en pair. Hein, c'est fait exprès. Il y avait quelqu'un, un administrateur et une personne du comité des usagers dans la première partie qui sont venus nous parler de leurs meilleures pratiques. Je vous remercie parce que ça a été, même pour moi, ce matin, enrichissant. Mais ça montre aussi à quel point on est en train de changer. Ben non, ça ne va pas assez vite. Moi aussi, je voudrais que ça aille plus vite. Mais on avance. Et pour avancer, il faut parfois donner un coup de pouce. Vous, les comités des usagers, les représentants de diverses organisations, vous êtes venus me voir à plusieurs reprises pour, justement, à l'intérieur de cette réforme et dans l'esprit de cette réforme, l'esprit de la réforme qui n'est même pas encore compris par le grand public parce qu'il n'est pas rapporté correctement, mais c'est pas grave, on est là ensemble pour faire avancer le système. Bien, aujourd'hui, je vais vous donner un petit coup de pouce et j'ai une annonce à faire. Et c'est un coup de pouce qui répond à vos demandes. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'annoncer un investissement spécifique qui a un objectif, qui est celui de donner une voix encore plus forte aux usagers eux-mêmes, aux résidents eux-mêmes et à leurs organismes. J'annonce aujourd'hui un investissement additionnel de 3 millions de dollars qui aura pour but de vous aider à aller plus loin dans vos fonctions. D'abord pour les QC. Alors, pour les CIS et les CIUS, un montant de 1,5 million de dollars sera affecté pour vous permettre d'avoir des ressources additionnelles en fonction, évidemment, de votre organisation dans tous les CIS et CIUS du Québec. À plusieurs reprises, vous êtes venu me voir en me disant, écoutez, nous, les comités des usagers, les comités des résidents, il y a plein de ressources, il y a des bénévoles, puis on a de la difficulté à aiguiller les gens qui viennent nous voir pour avoir de l'aide aussi, sans doute. Alors, une somme de 50 000 $ additionnelle ou 1,5 million de $ sera dévolue au QC de tous les CIS et CIUS pour mettre en place un répertoire de contacts à qui vous pouvez référer les gens qui viennent vous voir. Merci. Je l'ai dit il y a quelques instants, les plaintes, ce n'est pas un objet de revendication, c'est un objet c'est un endroit où on doit avoir la possibilité de se faire entendre. Mais dans l'esprit de tout ça, encore faut-il avoir une certaine uniformité dans le réseau. Et j'annonce aujourd'hui que sera créée une table de concertation regroupant les commissaires aux plaintes, les CAP et les représentants des comités d'usagers. Un montant additionnel de 150 000 $ sera octroyé au RPCU pour des fins de formation. Ça a été dit à plusieurs reprises ce matin, la formation, la compréhension des enjeux, c'est aussi la clé de cette relation-là, de ce dialogue-là qu'on doit avoir dans le réseau avec les patients, les citoyens. 150 000 $ sera octroyé également au centre d'accompagnement aux plaintes, de façon à favoriser leur fonctionnement. Une somme de 25 000 $ sera octroyée au regroupement des commissaires locaux aux plaintes et à la qualité des services. Une somme additionnelle de 100 millions de $. Et ça, j'insiste, c'est une somme ponctuelle qui sera octroyée par le ministère à vous, les PDG. Nous allons vous solliciter pour mettre en place des projets pilotes deux projets pilotes, 100 000 $, qui seront dirigés spécifiquement
à l'expérience patient, à la satisfaction de l'expérience patient, au moins la lecture appropriée dans un environnement soit de plainte, soit d'information ou d'information à caractère. Je ne veux pas utiliser le mot « plainte », mais ça sera dans le cadre des plaintes. Alors, je vous sollicite de nous venir avec un projet pilote pour voir comment on peut améliorer cette expérience-là. Monsieur Di Carlo, celle-là, elle est pour vous et ceux qui travaillent avec vous en ce sens-là. Nous allons mettre en place un cadre de référence ministérielle sur le partenariat, l'usager, ses proches, les proches aidants, et les autres partenaires de la santé et des services sociaux, ça c'est vous autres. Nous allons aujourd'hui investir un montant de 1 million de dollars pour faire en sorte que nous mettions en place une série de projets pilotes pour justement améliorer nos façons de faire dans la relation patient-usager, leurs proches, le réseau. C'est une extension de ce forum-ci. Le forum de ce matin, ça dure ce matin. On investit 1 million de dollars pour mettre en place des projets pilotes qui vont nous amener plus loin. Et à la question qui a été posée en fin d'avant-midi, à savoir, est-ce que les usagers, les QC, les citoyens qui sont impliqués vont être impliqués? Oui. Ce cadre de référence et ce projet-là se fait ou se met en place en collaboration avec le RPCU, et les QC seront consultés pour ces projets pilotes-là. Et à la question qui a été posée, est-ce qu'un patient partenaire, un partenariat patient, ne devrait pas mettre en cause les QC? Bien oui, vous avez raison. Les QC, vous devez participer à ça. Et dans l'investissement d'un million de dollars que nous faisons ce matin, vous allez être mis en jeu. Les projets pilotes vont venir évidemment du réseau. Vous serez obligatoirement, à mon avis, consulté. Et il y aura un arbitrage pour les projets pilotes qui sera fait. On ne fera pas 50 fois le même projet pilote. Mais à un million de dollars, je pense qu'on peut aller jeter un éclairage supplémentaire pertinent sur ce que nous faisons dans le réseau. Alors, merci. Alors, le message, je terminerai avec ce message-ci, évidemment dirigé vers vous, mesdames et messieurs, les présidents et présidentes directrices généraux des institutions du Québec, des établissements du Québec. Écoutez, on entre dans une nouvelle ère. On l'a commencé dans ce mandat-ci à faire nos premiers pas vers une ère où les citoyens ont plus de place, plus de voix. Et comme on l'a entendu ce matin, et là je termine avec vous, les représentants des citoyens, bien, on veut que vous soyez entendus. J'ai compris que vous n'étiez pas dans un mode de confrontation. La confrontation légale, ça se passe à la cour. Dans le quotidien, ça se fait de façon positive et constructive par un dialogue que je souhaite aujourd'hui s'améliorer et augmenter en vous donnant plus de moyens par notre annonce de 3 millions de dollars pour vous. Je suis convaincu que ce sera un succès, tout comme je suis convaincu que dans un prochain forum, nous ferons état de nos avancées et que ça se saura pour le bénéfice de ceux et celles d'entre nous qui sommes plus vulnérables et qui font affaire et qui reçoivent des services en ce qui me concerne de notre excellent réseau de santé et de services sociaux. Merci. Bon appétit.